Mesdames, Messieurs, bonsoir. Moi, c'est Jacqueline Belizère. Yon plaisir pour n'entrer la KO. Jodi a, nan date historique, côté les États-Unis, a voté pour yon choisir un nouveau président. Moi, c'est Jacqueline Belizère. Donc, quelques grands points qui ont dominé l'actualité, c'est définitivement, élection ça, qui a déroulé jodi a, et VOA Creole, lui-même, yo pral, yo déclaré la permanence. Nous allons rejoindre d'abord, depuis Washington, premier invité, nous, parce que nous gagnons moun, tout, pas tout. Et n'a dit que tout que ancien président républicain Donald Trump jodi a li jete bulletin dans Palm Beach ensemble avec madame ni ancienne première dame Melanie Trump et li trouvé le tout dans résidence li dans Mar-a-Lago et l'a bien pour prendre la parole pita dans soirée et puis dans Washington même vice-président Kamala Harris qui était voté par la poste et ben trouvé dans Washington et quartier généraliste c'est Howard University yon ancien l'école li qui c'est université noire donc élection a déroulé pour élu 47e et président les États-Unis. Eh bien, nous allons d'abord rejoindre Valerio, Valerio Saint-Louis. Mais avant de rejoindre Valerio Saint-Louis, nous allons rejoindre Gentil Augustin Junior qui lui-même trouvé dans le bureau de vote dans Arlington, qui est tout près Washington DC. Gentil, soit entendu. Bonsoir Jacqueline, merci. Et j'en dis là, c'est un tour VOA Creole a fait pour porter élection à Kaimounio. Moi-même, je trouve maintenant une librairie qui est à Arlington, côté que nous avons suivi comment l'élection a déroulé. Vraiment, bio vote est ouvert depuis 7h matin, côté public là, lui-même, il a gagné loisir, il a gagné tout droit pour venir voter pour mon niveau. Nous avons regardé, nous avons entré en dedans ce centre de vote là, à regarder comment le processus là lui-même l'a déroulé. Mounio yo vini avant leur entrée en dedans, yo gon moun ki akeyou, li mando est-ce qu'on inscrit pour voter. Et comme ça, yo présenté ba un moun, li checké pour ou, li fò di non et di nan ki adresse ou sorti, laisse a li bon possibilité pour al prendre bulletin pour al voter. Et l'offre une première bulletin ça, ou gagné pour aller non une côté que personne moun pap ka wè ça wap fait. Qui est soit choisi comme candidat pour là pour élection ça après là on fin fait processus ça ou gagne yon machine exactement ou entrer là-dedans ou porter bulletin pour là ou déposer et automatiquement vote ou lui-même li valider dans machine ça et après là on fin voter ou sorti nous cap garder sous la cour moun yo qui sorti nous pas wè une grande affluence moun Jacqueline pour et bibliothèque ça qui trouvé dans Arlington là nous ca comprendre ça arrivé à cause que t'es déjà gagné vote bonheur qui t'est fait en pile monde débarqué à voter dans vote bonheur et même gens tout gagne monde qui a voté par la poste nous t'ai croisé monde qui t'est venu déposer en bulletin par eux par la poste et gagne l'autre activité qui fait en dehors de ça de vote ça côté que yon monde qui gagne yon problème quelconque qui pas qu'à entrer en dedans bureau vote là à cause des matchs qui gagne yo sorti de yoa yo vinn pote bulletin pour la baou gagner des moun cap superviser qui bon possibilité ou même pour voter parce que c'est un devoir civique pour tout citoyen pour vinn voter et pour choisir moun qui pral gouverner là et ben c'est comme ça VOA Creole t'est toujours sous place n'a suivre ça qui a passé et bureau vote yo là pour fermer jusqu'à 7h et qu'arriver même au-delà de 7h parce que depuis qu'il y a des gens qui sont dans la ligne, à 7h, il n'y a pas de rentrer dans la ligne, mais si il y a des gens qui sont dans la ligne, il y a obligé de finir voter. Et gentil, en général, ou bien pour l'élection, ça y est, il y a pile mesures de sécurité au prend, par exemple, ou même quand vous dans Washington DC, ou qu'on est que grand pile sécurité, Valérie USA avec nous, sécurité dans la zone la Maison Blanche, côté nous, Jean-Aubert Philippe, sécurité tout dans la zone Congrès et Valérie Saint-Louis t'a parlé de ça. Mais est-ce que dans le bureau Arlington, est-ce que nous avons présence policière, est-ce que nous avons sécurité? Et dis-nous non plus sous question sécurité, alors. Bon, sou, au niveau de sécurité, nous pas vraiment ouais machine police même gens ça y est dans Washington côté que d'ici nous ouais t'es un barrage qui fait tout ça, mais il y a des mesures qui prend côté que gen moun spécialement qui là qui a dit moun gen côté pour camper, gen côté pour pas camper parce que yo vle que espace vote là lui-même, c'est un espace qui réservé avec électeur, c'est yo même seulement qui gagne droit là avec des journalistes des fois yo dit OK
li gen moment là ou capable vini pour vinn prendre des biol pour moun k'ap voté mais yo dou ou pas gen droit prendre close pour faire close up sou moun nan k'ap voté pour wè ki ça li même la voté sécurité a pas tight même j'ai avec l'autre côté parce que nous connaissons pas vraiment gros biol de vote par rapport avec des quelques états côté que nous connaissons affluence moun k'ap vinn voté mais yo toujours prend précaution yo en façon pour k'ap protéger électeur li même pour moun pa wè ki ça li même l'a choisi qui moun l'a choisi pour représenter dans élection ça nous connaît que son élection historique pour États-Unis parce que c'est première fois yon noir femme li même li candidat pour président et une femme qui fait qui petite des immigrants gentil donc bureau de vote ça est-ce qu'on a une idée de qui l'a été ouvert et qui l'a fermé. Bon, j'aime ça tout à l'heure, son bureau de vote qui ouvert bonnet dans matin, 7h, en façon pour tout le monde qui est capable de venir. Parce que les gens, j'en ai dit là, c'est à tout de rôle que les gens voter. Peut-être c'est ça qui fait nous pas gagner une affluence de monde. Parce que les gens qui lèvent bonnet qui viennent, parce qu'ils ne pas oublier, pendant l'élection, travail est toujours ouvert, pas gagner bureau qui ferme. Tout bureau est ouvert, moun yo vin moun yo al travail, gen moun ki passe bonheur, peut-être qui vote qui al travail et gen moun ki vini le sou travail yo passe voter et même jan tout nan pita en pile moun ki a sou travail en foule capable gagner plus moun qui vinn voter. Généralement votre bureau est ouvert à 7h et yo ferme à 7h mais j'aime te tout à l'heure Jacqueline 7h là c'est pour moun pa rentrer dans ligne côté que pour vinn voter ya. Mais depoute ki tan nan ligne quel que soit l'LTA tout moun ki te nan ligne nan yo bay par exemple yo doit mettre un point yo di ça c'est dernier moun ki entre nan ligne nan 7h la pou fin voter jusqu'à ce que y a bureau la pou fermer jusqu'à ce que dernier moun nan li même li jete bulletin pal la pou choisir moun ni besoin. OK merci gentil Augustin Junior li même li trouvé li nan yon bureau de vote qui nan Arlington qui t'a fait nous gon idée de qui j'en vote là a pé déroulé n'a rappelé que élection ça yo k'a fait ici aux États-Unis notamment pour présidentiel là c'est pas son vote direct c'est indirect parce que c'est grand électeur pral décider de ça et pour yon et candidat et ben capable remporter la mayol pour occuper la maison blanche il a besoin de 270 grands électeurs. Nous allons rejoindre Konya Jean-Robert Philippe trouvé dans un côté absolument spécial et donc n'a dit merci et à que gentil Augustin Junior mais Konya nous va établir contact avec Jean-Robert Philippe lui-même il trouvé dans la maison blanche et ben là dans zone la maison blanche c'est en pile sécurité même genre avec Congrès et l'autre institution régalienne ici aux États-Unis. Donc Jean-Robert Philippe dit nous même genre avec et gentil n'a pas de ouais parce que ou même c'est dans grand la cour la maison blanche. Et effectivement Jacqueline nous dans grand la cour nous dans côté ça taille les pouvoirs central là côté que tout candidat cap goumé pour ou bien qui dans lutte pour occuper fauteuil la maison blanche là c'est des dominants là y a venir là au fin passé ça veut dire à partir de janvier la maison blanche a gagné un nouveau locataire mais contrairement à côté gentil il y a ou bien côté Valérie il y a bon ici a pas grand centre de vote là dedans c'est seulement gain c'est médias surtout qui viennent là et viennent porter et un autre message by téléspectateurs mais encore auditeurs côté il y a permettre là donc ça veut dire que nous même là c'est médias là mais n'a dit que pour ça concerne présence n'a dit que dernière nouvelle dernier mon nous vérifié avec eux dit que par exemple président Joe Biden, eh bien, l'a prêté dans la résidence ici, la Maison Blanche, pour suivre le résultat de l'élection. Pendant que le vice-président Kamala Harris même l'a trouvé lié exactement dans Howard University, dans Washington DC, côté que le tal l'école, et lui-même, c'est là qu'il va le passer et soirée avec certainement les supporters, les fanatiques, les personnel li li pral avec eux pour l'assister ou bien pour le temps résultat élection si a bon résultat final à soir. Ensuite nous capable nous n'abjoin et ancien président et Donald Trump lui-même qui tourne dans Mar-a-Lago côté qui c'est la caille et lui-même et c'est là lui-même l'a observé ou bien pral temps Jean-Robert élection pral suivre et pral parler et Jacqueline.
Et Jean-Aubert, est-ce qu'on a dit nous que système de sécurité que vous mettez dans la Maison Blanche pour l'heure de sécurité, eh bien, qu'on gagne militaire, qu'on gagne garde présidentiel, qui sont capables d'expliquer nous sécurité qui qu'on y a là au niveau de la Maison Blanche? Bon, d'abord, que ça, Jacques, mais sécurité physique là. Sécurité physique là, elle est pratiquement variée, sorti dans deux blocs. Côté conseil de gros clôtures que vous installez dans tout alentour Maison Blanche là, et qu'on seul rentré pour venir dans la zone côté média, il y a une seule rentrée là. Et c'est là que nous-mêmes nous sommes capables de nous passer. Mais clôture ça tellement haut, on n'est pas même capable, à moins qu'on ait un lugar où on est capable de voler pour sauter pour tomber en dedans. Donc c'est la sécurité physique là. Et puis il y a toute sécurité humaine. Ça, c'est secret service. Secret service, quel que soit quand on vire dans un nom, on a un agent sécurité qui apparemment est capable de paramer, mais là, il y a gardé. Et comme côté nous, c'est dans une zone. Tampon nous y est, c'est nos zones stériles que nous y est. Donc, c'est dans la sécurité au plus élevé et c'est seulement les journalistes qui ont accès à côté de nous y est là. OK. Jean-Aubert, merci. Jean-Aubert est toujours dans la Maison Blanche. Et est-ce que nous ne connaissons pas, donc nous pas connaissons que qui Jean s'apprête pour journée, mais en attendant, eh bien, il y a une sécurité qui fait tout partout, côté que, notamment, et ou capable de joindre la Maison Blanche gain sécurité, congrès a gain sécurité, mais nous-mêmes nous gain monde un peu partout, nous gain par exemple notamment nous gain Luxon Saint-Ville qui dans Floride n'a gain pour nous rejoindre, nous gain Jean-Aubert Philippe là lui-même qui avec nous dans et la Maison Blanche. Mais est-ce que Jean-Aubert et nous gain un écho de côté président en parlant de Joe Biden avec madame ni docteur Jill Biden? Oui, et président Joe Biden l'a trouvé dans la Maison Blanche ensemble avec Dr. Jill Biden. Et c'est ici qu'il a choisi pour observer, bien encore pour suivre le résultat de l'élection, les bureaux de vote commencent à fermer. Parce que le résultat n'a pas sorti pas avant que le bureau de vote ferme et les résultats ont commencé à sortir dans différents États. Yeah. Donc, ça veut dire que chaque candidat, il y a un côté qui a suivi l'élection. Et il y a quelqu'un notamment pour prendre la parole. Notamment, nous connaissons que l'ancien président Donald Trump, qui est candidat pour le Parti républicain, lui-même, il trouve dans Mar-a-Lago, dans la résidence. Lui-même, il votait déjà. Il souhaite voter dans Palm Beach, ensemble avec Madame Ni, ancienne première dame Melania Trump. Il a même voté. Mais il a rappelé que Kamala Harris. Et lui-même, il était voté par mail. Et c'était, il dit que c'était pour le débat, un exemple. Parce qu'il y a plusieurs façons, Jean-Robert Philippe, pas bon ici, ou voter. Ou bien doit voter par la poste. Ou bien doit voter avant l'heure. Par l'heure, avant l'heure, c'est ça. Mais chaque État a une date dans le mois, il a déterminé pendant une semaine que l'électeur est capable de voter avant l'heure. Mais c'est l'électeur qui n'a pas voulu aller en contre problème à la dernière minute, puis à voter pour, parce qu'il a peur pour pas qu'on foule, il a difficile pour voter. Donc, on va voter. Et puis, il y a un grand jour là, jour J, qui est le dernier jour à tout, parce que si on ne pas voter jeudi, on ne peut pas voter encore, parce que début, on vote fermé, on ne peut pas aller voter encore. Donc, c'est faut ça qu'on a fait. Nous apprenons tout, gain, par exemple, quelques nouvelles, petit problème qui posait, mais la guette pour venir sous dossier si là par exemple côté bureau voiture fermé était ouvert un peu tard, de l'autre côté par exemple que déjà a prolongé et fonctionnement bureau de voiture très certainement parce qu'il y a des petits problèmes techniques qui posaient et très certainement qui t'a empêché que l'électeur t'a fini voter le bureau de vote a fermé par exemple côté a fermé à 8h, mon connaît et que responsable électoral le PAC a décidé pour prolonger. Ouais, puis on prolonge et ouvre un bureau A, fait un petit bureau à prolonger à un autre. Mais il faut qu'on juge qui l'a et qui va autoriser que le bureau soit capable de l'ouvrir, peut-être pendant une heure de temps en plus ou bien deux heures de temps en plus. Si tu as un problème technique, et problème technique, là, pratiquement, Jacqueline, problème technique, ça résout. Donc, tout le bail, toutes mesures prennent net, toutes mesures responsables, ils ne quittent pas rien, ils ne pas négligent rien, ils prennent toutes décisions possibles et même l'imaginable, n'importe quoi, ils étaient quoi qui est impossible, qu'on t'a pensé, et bien, ils mettent sous table là pour s'il t'est arrivé, peu qu'à faire face avec lui. Jean-Aubert, pendant qu'on a parlé de candidat qui a voté, il faut signaler tout que J.D. Vance, qui s'est colistier ancien président Donald Trump avec Tim Walz, qui lui-même s'est colistier Kamala Harris, il a même tout à voter. Quand nous parlons de l'autre parti, et moi-même avec Jean-Aubert, nous avons parlé de quartier général et Kamala Harris, on a parlé de Howard University. C'est une université noire qui hante Washington DC et Maryland.
Et c'est là tout que Kamala Harris à l'école, son université noire. Et c'est là qui quartier général. Et c'est là tout que, éventuellement, la pour prendre la parole. Puis ta, et là, nous gagnons Valerio Saint-Louis. Valerio Saint-Louis, nous allons sur New York qui vient pas bon ici. Valerio et Abdinou, je ne sais pas si nous avons établi contact avec Valerio Saint-Louis. Valerio Saint-Louis, dis-nous non, et ça, ouais, ça, attendez dans Howard University. Gale Valerio. Bonsoir Jacqueline, justement, je suis campé devant l'université ça qui est Howard University. Howard University qui c'est l'université ça que vice-président Kamala Harris, c'est là que tu as l'école. Donc l'université ça a une signification très spéciale pour lui, très important. Et c'est devant nous campé là, des domaines là, c'est la première fois tout dans l'histoire élection récente ici aux États-Unis que eh ben, vice-président là, ou candidat du moins, pour attendre résultat élection en dedans l'école côté que d'aller. On rappelle que vice-président Kamala Harris, c'est là que tu as l'école, il gradue en 1986, du moins il gradue dans l'école ça, il gradue en sciences politiques et économiques, certainement il continue d'étudier pour aller pour tourner un avocat, mais l'école ça, Howard University qui est donnée là, sont l'école qui est très importante, qui tenu à cœur d'ailleurs, il fait déclaration, dit que dans toute carrière étudiante, dans toute jeunesse, on a étudié, c'est là que le passé meilleur moment. Il faut dire que à l'université, ça, c'est sous campus, ça, c'est sous la cour campus, l'école là, que vous pouvez aller préparer déjà, puis vous faites gros festivités, gros célébrations, si toutefois, eh ben, vice-président, là, comme candidat à parti démocrate, là, s'il t'a sorti l'élection, s'il t'a gagné l'élection. Donc, son préparatif, c'est gros préparation qu'a fait là, devant l'université, c'est à nous camper, université Howard, université qui sont universités très historiques pour Noyau, côté que, une autre fois qu'on a précisé, en 2019, c'est là que vice-président Kamala Harris t'a annoncé que le Bradley pour te briguer même Tikea pour comme représentant parti démocrate là. Ça va arriver fait, donc on est, c'est le président Joe Biden qui est arrivé joindre. Et c'est en dedans l'université ça, nous plutôt en dedans librairie université ça, que le préparé, le nouvel livre préparé, préparé tête pour le faire, débat ça que tu as fait vis-à-vis face avec ancien président Donald Trump. Donc une université qui a une importance pour vice-président, c'est ça qui fait qu'à ce moment-là, c'est là que la chute attend résultat élection aujourd'hui. Dans le périmètre, il faut un périmètre qui est très sécurisé. Tout autour de l'université, il y a une grosse barricade qui monte. Il y a un policier, la police tout partout. Et même au niveau de sécurité, on a capable de dire, et avec chien même qui a marché, nous avons capable de servir avec chien policier, qui ont déjà vu périmètre ça, côté que il est très sécurisé, parce que, n'a pas répété pour encore une fois, devant l'université, ça, côté au campé, journée électorale, ça, vice-président Kamala Harris, qui est candidat parti démocrate là, c'est là que la Bralton a souhaité résultat élection. On a précisé tout que malheureusement, j'ai oublié de dire ça, et bien, le président Joe Biden n'a pas rejoint, la plan ensemble avec partisans, fanatiques, pile monde campé de l'université à la presse. Nous quasi même c'est une université qui a même aspect pour ici, je vous dis, pile monde a vu une photo, en pile élève qui a passé là, nous n'étions pas là avec nous, Jacqueline. Et bien, nous sommes très fiers que c'est dans l'école ça que vice-président candidat, parti démocrate là, c'est là que l'attend pour célébrer à souhait l'élection. Évidemment, si toutefois il y a un résultat électeur. Jacqueline. Oui, et donc Valerio, dis-nous non, ou même ou là pour VOA Creole, et dis-nous non, est-ce que ou l'autre presse internationale, presse américaine qui yo même tout yo vinn couvrir événement ça? Et certainement, nous avons pile presque là, et je me permets de dire ça, moi, plusieurs autres collègues nous, dans le service La Voix d'Amérique, VOA, nous même VOA Creole, très l'autre service dans La Voix d'Amérique qui est là tout, nous avons deux, trois confrères nous qui là toujours, qui ont fait reportage, mais écoutez, bien là, dans la terre principale, ça qui est devant l'université, on a appelé Howard University, côté que vice-président Kamala Harris, c'est là que pour le résultat de l'élection, gain la presse, gain des curieux, gain pile étudiants qui campent, et gain monsieur qui va côté, on a signé des bruits musique, il y a plein. C'est monsieur ça qui vient de côté là qui est là dansé, là célébré, là fêté devant Barrière Université à côté que lui-même tout, lui dans ambiance, son ambiance et avec une sécurité, m'a précisé encore une fois, une sécurité très serrée puisque nous pas qu'à rien dedans, si il y a des gens qui sont dedans, c'est parce que ils sont autorisés
mais nous-mêmes nous campons dehors et tout périmètre là, ils ont barricadé tout autour de campus université ça. Et nous campons précisément si nous regardons bien, ma fonte est déplacée pour nous capables. Et ben là c'est une entrée principale à l'université. On a regardé machine pour l'entrée là, qui est certainement autorisée. C'est une entrée principale. Il y a plusieurs, nous avons ballons rouges et bleus, certainement décoration qui est en fait devant barrière. Donc c'est là que nous campons et c'est là qui c'est une entrée principale. Nous qu'à comprendre sécurité très serrée pour aujourd'hui à Jacqueline. Et Valérie Saint-Louis, nous connaissons que dans le cadre et couverture ça, ou même vous avez eu l'occasion tout, aller dans un congrès, pour question sécurité, est-ce qu'on peut rappeler nous, et qui gens au niveau congrès, nous connaissons que congrès, lui-même c'est lui célèbre, tristement célèbre, parce que nous songeons que qui gens que janvier. Oui, et en effet, si nous avons eu la chance de virer dans la zone congrès, devant le capitole, ça le capitole là, nous avons eu la chance de virer dans la zone là, dans différents quartiers, nous capables de dire dans le centre-ville, Washington DC. Côté que nous remarqué que la sécurité a été dressée tout, Jacqueline. Sécurité qui, évidemment, il était évident, nous avons eu des gros barrières forgées qui ont monté aux alentours au capitole là, et dans différents la rue qui ont même, et dit, dans la zone de plusieurs buts. Aux édifices publics, et surtout capitole, puisque nous songeons, et ça qui est passé, c'est peut-être déjà pour rappeler ça qui est passé. Donc je vous dis, nous sommes capables de dire, dans 5 novembre, ça qui est joué l'élection, l'autorité dit que vous parlez à quel que soit ça qui est passé. Et c'est pour parce que justement, et officiel et dans l'intelligence américaine, le fait qu'on ait que vous avez un bruit, que le pays là aussi, avec le pays Iran, vous avez intention planifiée, puis vous êtes capable d'encourager les gens à faire manifestation, les gens à prendre la rue. Faire les ordres en quelque sorte dans la journée électorale, ça. Bien que, eh bien, représentant de différents pays, ça n'a précisé le pays là où c'est le pays Iran, dit que il n'y a pas d'aucune intention et il n'y a pas d'aucune interférence qui a fait dans la fête élection année ça, ici aux États-Unis. Je veux dire, c'est un gros jour et dans le moment que nous avons parlé ensemble avec nous, il y a plusieurs étudiants qui commencent à entourer et VOA Creole. Dans le moment là, il y a dansé, puisque, m'a dit encore une fois, gros monsieur, qui vient avec musique pour danser, pour célébrer, pendant que le système sécuritaire très serré dans le périmètre aux alentours de l'université. L'université qui est Howard University, qui joue aujourd'hui à rentrer dans l'anal histoire électorale aux États-Unis, puisque c'est là que le vice-président Kamala Harris est à l'école, il gradué en 1986 dans sciences politiques et économie. Jacqueline. Merci, merci Valério. Valério Saint-Louis parle avec nous depuis Howard University. C'est dans le cadre de couverture que VOA Creole a fait dans l'occasion gros journée électorale. Ça, nous soutenons Arlington, côté que nous t'aiguons gentil, qui t'a fait nous, qui genre, activité dans le bureau de vote. Nous t'es allé tout dans et la Maison Blanche avec Jean-Robert Philippe qui t'a montré nous qui genre situation est. Et il fait nous connaître que président Joe Biden avec toutes les premières dames, non, Dr. Jill Biden, ils ont tous les deux à suivre activité électorale, activité journée, ils ont même dans la Maison Blanche. Et c'est ça. Et qu'on y a, nous pourrons aller dans New York. Nous parlons dans New York pour nous voir qui genre situation est. Et nous parlons rejoindre Glorious Nelson. Glorious Nelson a dit nous d'abord qui côté lié dans New York là. Nous exactement devant Brooklyn College, une site côté électeur capable de voter dans l'élection américaine qui a fait 5 novembre 2024. Là, nous arrivons à parler avec plusieurs électeurs des Haïtiano-Américains et également des Américains qui vont nous avis sous l'impact que pensez que le résultat de l'élection ça après le gain. Pour qui ça, vous même vous décidé de voter aujourd'hui. Unité. 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 Pour avoir un changement de la qualité. Parce que pour le monde voter, nous sommes capables de faire ça pour nous. Parce que là, nous n'avons pas de bon. Il y a plusieurs raisons. Nous sommes dans la vie de la ville ici tout. Yeah. Donc, il ne faut pas venir dire qui est-ce que nous voter. Mais c'est très important. Donc, il y a témoin. Donc, nous faisons billet démocrate. Nous avons démocrate, mais ça ne veut pas dire voter pour démocrate. Mais lui, il ne veut pas dire voter pour nous. Nous pensons que nous avons des pays, qui ont des pays, qui ont des pays. On est toujours notre parti à parler, hein? Donc il y a des bagages qui pas fait plaisir. Nous sommes avec les immigrants qui sont là, qui viennent chercher la vie ici. Donc si la qualité est bonne, ben, c'est grand pour le monde qui va d'abri là. Parce que bon, ici, là, c'est pas comme si vous levez et puis vous dites comme ça, oh, mets l'argent là, faut lever pour le travail. Donc la qualité n'est pas offre ça là. Ça fait grand pour le monde qui prend route là, qui passe. Il passe qu'il misère avant d'arriver là, qui nous cherche en avenir. Hein? Donc ben, c'est pour partir par nous, hein? Ben, c'est son bon impact à pied.
C'est plus à cause immigrants qui ont voté. Pas juste dit immigrants parce que nous tous sommes immigrants. Pas parler des immigrants qui illégal. Et ça a un gros impact sur ville New York. Nous avons des gens qui ont dormi dans la rue. Vétérans qui ont dormi dans la rue. Les gens qui prennent en ligne chaque deux trois semaines devant l'office qui ont mangé. Font l'état où tu as dû adjoindre les gens qui ont dormi, les gens qui sont légal. Comme opinion, pas opinion pam. Opinion pam, c'est qui ça dit? Opinion pam, c'est faire des voix. Ok. Ok, merci en ville. Je ne sais pas si il y a quelques électeurs qui n'ont même pas décidé de faire avis sur l'impact et raison qui fait voter dans l'élection 2024. Glorieuse Nelson depuis Brooklyn, New York. Merci Glorieuse et Nelson. Donc nous sommes à New York et Konya nous pral dans Springfield dans l'État Ohio. C'est une zone qui est dominée actualité pour plusieurs raisons. Mais nous pral regarder qui j'en élection dans la zone ça avec Obed Lamy. Moun ap monte descend, machine ap sikile. Mardi 5 novembre nan, c'est une journée qui semble normal dans Springfield, alors que l'élection a déroulé depuis bien bonheur dans le matin. Là, nous devant l'école, ça, qui c'est une centre vote qui gagne dans Springfield. D'après chiffre autorité, il y a 1503 électeurs qui inscrits pour venir voter dans le local. Ça. Mais l'activité est assez timide matin pendant nos sous-places, nous avons quelques électeurs qui ont rentré sortir dans le bureau. Nous avons une chance de parler avec Jason, un électeur qui dit qu'il était souvent avec un pile attention. Débat sur l'immigration qui était venu mettre Springfield dans quelques campagnes électorales à Nessa. Il dit nous pour qui ça vote, qui t'a pas fait matin, important en ville pour lui. I don't want to give away who I'm voting for, but I think it was very. Je vais le révéler pour qui laisse m'bral voter. Mais déclaration Trump t'a fait a vraiment bas niveau. C'est dommage de ce qu'il utilisait qualité langage avec parole ça pour parler sur immigrants qui dans le pays et dans la ville Springfield. Nous devons faire chaque monde une chance, parce que nous sommes un pays immigrant. C'est peut-être ça vote ça a fait là en 2024 là, veut dire un pile bagaille pour le pays. Pas seulement pour ville Springfield, mais tout le pays. Nous avons croisé tout avec Xander, un citoyen qui saute voter pour la première fois dans la ville. Il dit nous à qui sentiment il peut attendre le résultat de l'élection à Soya. Je me sens assez confiant en eux. Nous sentons vraiment confiance dans le résultat. Je connais un pile état à côté résultat élection, pas même gens à opinion. Je comprends ça. Même vraiment confortable avec Trump sur le fait pour président, pour parti. Même si gros majorité haïtiens qui dans Springfield pas qu'à voter parce qu'ils n'ont pas de citoyenneté américaine, mais journée élection ça concerne eux en pile. Parce que je ne songe ça, la communauté haïtienne a fait parler en pile de lui pendant qu'en part électorale là, les candidats Donald Trump ont répété accusations comme quoi. Haïtiens qui dans Springfield ont mangé chat avec chien moun dans zone. Quelques haïtiens qui sur place, dis-nous comment ils vivent journée élection ça. Nous dans Springfield là, qui ça n'attend journée élection hein, et matin là. N'attend moun qui t'ai fait nous bien. Moun qui t'ai qui t'ai souhaité pour nous changer chemise pour lui parce que c'est ça lié parce que nous même nous connaissons les démocrates qui pour le système immigratoire là ici là. Bon, nous avons une réponse à l'élection parce que nous connaissons Kamala Harris, tout haïtien. Et pas seulement tout haïtien, non. Tout immigrant. Abton. Bon, nous avons une réponse définitive qui c'est Kamala Harris parce que c'est lui-même nous besoin. C'est lui Abton. Parce que c'est démocrate, nous courons 100% nous-mêmes. Pas de l'autre. Pour Bête Lamy, vous pouvez accueillir de Springfield, Ohio. Merci Obed Lamy et c'est avec dernier correspondant ça que nous pral mettre fin dans programme là nous t'ai occasion rejoindre Jean-Aubert Philippe qui trouvait dans la maison blanche nous gain gentil Augustin Junior qui lui-même t'ai trouvé dans un centre de vote dans Arlington et puis nous t'ai gain Valerio Saint-Louis qui était Harvard et University et faut dire que gros journée électorale là ici aux États-Unis il y a plus passé 200 millions électeurs qui j'étaient bulletin pour choisir entre autres un nouveau président pour pays entre vice-présidente démocrate Kamala Harris et ancien président républicain Donald Trump et nous t'a remis dit que pita à 9h eh ben n'a gagné un programme spécial et fond dit tout que ancien président Donald Trump déjà voté dans Palm Beach
avec toute madame Nip et Melania Trump et li trouvèl dans résidence li dans Mar-a-Lago et gen Kamala Harris li même qui t'est voté par mail et li même tout quartier généraliste dans Howard University côté que nous gagnons Valerio Selu. Donc le prochain rendez-vous c'est à 9h tapant côté que nous pral gagner un programme spécial dans occasion et gros journée électorale ça ici aux États-Unis. Mais en attendant, on est capable de brancher sur toute plateforme pour être capable de gagner les dernières nouvelles qui tombent. Moi, c'est Jacqueline Belizère. C'est un plaisir. Donc, rendez-vous 9h. Bonsoir. États-Unis, c'est jeudi mardi 5 novembre 2024. L'an, lundi, élection générale États-Unis. Qui, mais pas oublier, plus gros projet qu'elle mettait sous poste président, côté que gagnait deux personnages que un peu monde connaît déjà. C'est actuel vice-présidente États-Unis. Hein? Kamala Harris et puis ancien président Donald Trump qui c'est les mêmes candidats parti républicain. Kamala démocrate. Laissez-moi dire que déclaration qui est déjà faite bon côté tous les deux candidats. Bon côté Donald Trump qui s'est dit après que le fin soit voté le jeudi mardi et qui s'est dit bon côté Kamala Harris lui-même après qu'il soit voté jeudi mardi, qui c'est 5 novembre 2024. Là. D'abord, qui sa candidat républicain, hein, qui c'est Donald Trump, lui-même, lui dit après le fin de voter. Monsieur dit que lui prêt pour accepter défaite lui. Cependant, et lui déjà connaît que l'a gagné. Vous savez bien? Lui prêt pour accepter défaite. Mais lui déjà connaît l'a gagné. Qui donc ça n'a pas dérangé, comme si même elle dit que lui prêt pour accepter défaite lui. Et lui encore dit que partisan lui, il y a pas de monde qui violent. Ça veut dire que il pas pour demander pas faire violence parce que lui connaît que des monde qui va violent. Parce que il pral gagner élection. Parole Donald Trump qui besoin et envie occuper pour une deuxième fois Maison Blanche là aux États-Unis. Et bon côté Kamala Harris lui même qui ça le dit. Nous va regarder et nous va faire débat sur ça. Tous les deux interventions, tous les deux candidats, actuels candidats, parce que je ne vais pas me dire ça. Kamala Harris, lui-même qui était à voter, lui mandé son station de radio locale dans Georgia, qui c'est un état clé, lui mandé pour que le peuple américain qui a le droit de vote, qui est capable de voter, puisse aller voter. Parce que c'est destin États-Unis qui. Non, mais yo, je ne m'a dit 7 novembre. Nan. A dit, destin États-Unis, dans la prochaine année qui a venu là, ou bien dans quelques heures qui a venu là, li nan men américain. Dans ce sens, li mande yo pour yo al voter. Parce que yo gon nation pour yo sauver, qui c'est États-Unis. Je dis là, c'est pas seulement États-Unis que pression observation et projecte limé. Mais c'est le monde même qui les met projecteur sous élection États-Unis. OK? C'est le monde même qui les met projecteur sous élection États-Unis. Et nous même comme haïtiens qui résident aux États-Unis mais qui vivent aux États-Unis, yo encore mettant pile focus sous élection ça. Et de même pour haïtiens qui vivent en Haïti yo, il mettait un pile focus sur l'élection américaine 5 novembre 2024. Là. Réseau en pile, peut-être que je dis, hein, nous avons dit nous, que pour Haïtiens, ça s'est gagné deux gros points qui intéressent. OK? Pour Haïtiens, gagné deux gros points qui intéressent. Qui c'est d'abord question immigration par rapport avec haïtiens qui vivent aux États-Unis. Ça qui entre États-Unis par plusieurs moyens sous visa qui entre dans programme CBP on passe par Mexique en l'aime dit Mexique frontière qui entre dans programme parole humanitaire que haïtien les programmes Biden haïtien qui sorti par Brésil qui entre États-Unis et qui est plusieurs années États-Unis qui pour vraiment m'a dit soit plusieurs mais pour légal vraiment
Elle dit qui, je dis, hein, qui exposé par rapport avec un éventuel retour Donald Trump, ok, dans Maison Blanche. Parce que, pas oublié, Donald Trump toujours dit, pendant toute période de campagne, que si toutefois qu'elle est arrivée, on l'a fois élu comme président des États-Unis, États-Unis pral connaît plus gros déportation que le pas de jambe qu'on est dans ville. Tellement pral déporter immigrants. Mais à noter, déporter immigrants, il y a des conditions qui pral établi. Ça veut dire, c'est clair, il y a des conditions que yo pral prendre de immigrants pour être capable de déporter aller dans le pays. Alors, ce n'est pas haïtien qui pral déporter seulement, hein. C'est immigrant. Et pas oublier États-Unis. Ou capable de dire États-Unis, c'est pays des immigrés. C'est pays des immigrants. Tellement de immigrants aux États-Unis. Et même Amérique, petit théâtre, hein, soit aller dans l'histoire des États-Unis. Ou après les premiers habités, les premiers qui étaient habités aux États-Unis, ce sont les Indiens. Elle dit, vous t'es ça. Ou qu'a dit que son bouteille c'est immigrant la donne. Et ça fait les États-Unis. Parce que c'est différents États de différents Andazis dans le temps d'arrêter les tribus de nationalité et qui unio et qui viennent nous États-Unis. Donc je dis, hein, un pile américain d'origine, mais qui c'est petite terre à tout, qui naturalisé, qui est. On m'a les pendier, yon épée Damoclès, kap vin sous tête avec rivé Donald Trump comme président États-Unis, si tout fait la président. Ok? Mais, gye de partisan Donald Trump tout yon même, comme républicain. Mais, là c'est on encore. Les républicains, les sanre les des partisans zélés de Donald Trump, sanre les MAGA, des partisans zélés de Donald Trump. Et partisans zélés ça yo, babo menti, yo rouge de Donald Trump. Yo rouge de Donald Trump. Parce que yo dit que avec Donald Trump, là qu'il était président en 2016, la vie a pas de chien. Sur le plan économique, pays a été vraiment t'as avancé, t'es qu'on pas qu'un avancement la donne. La vie a pas de chien, gaz pas de chien, caille pas de chien, manger pas de chien. Qu'on pas qu'un avancé que vous fait. Pour vous montrer que sous Donald Trump, que l'économie États-Unis, hein, l'était vraiment une belle avance et inflation, hein, l'était vraiment avancé. Et je te comprends tout. Avec Donald Trump, question immigration, monsieur était géré ça dans dimension. D'ailleurs, pas oublier, c'est sous Donald Trump, c'est ma trompe. Question mi bah Mexique là. Et sous Donald Trump, oui. Et surveillance sous question frontière Mexique États-Unis et sous Donald Trump. Est-ce que vous comprenez ça veut dire? Que je dis, hein, mais que les attendez, mais m'a pas menti. M'a pas rentrer dans aspect technique là parce que ça mandé une certaine notion. Ça mandé une certaine maîtrise, il mandé une certaine connaissance dans aspect technique élection États-Unis. Mais si moi même nous prêt aller dans la réalité, nous essuyer la chita débat. Parce que même des grands journalistes américains, je dis hein, il n'y a pas qu'à aller trop fond dans l'aspect technique de l'élection des États-Unis. Il y a tant de collèges électoraux qui vous baillent, ça l'a dit comme verdict. Est-ce que vous comprenez? Mais nous-mêmes, comme directeur d'opinion, comme analyste, qui suivent le déroulement de l'élection des États-Unis, nous avons aller dans la réalité. Nous-mêmes. Réalité par rapport avec, et ça qui dit, bon côté des partisans démocrates, ça cap dit bon côté des partisans républicains. Et la nuit.
Et là, nous y est nous-mêmes. Et là, vous regardez tout qui retombe que l'élection États-Unis a gagné sur le. Alors, moun kap, m'bap dit élection, mais moun kap vin président États-Unis, moun kap vin remplacer Donald et Joe Biden, non. Qui, ça pral gagné comme retombe. Ça pral gagné comme retombe. Retombe positive ou bien retombe négative. Mais pas oublier. Depuis mon nom te créé, il y a deux sens la donne. Il y a négatif, il y a positif, il y a opposé, il y a plus, il y a moins. Elle dit, pas j'aime comprendre que la vie est rose. Non. La vie pas j'aime rose. La vie pas j'aime. Alors, depuis après péché Adam et Eve, vous comprenez? Mais après ça, la vie pas. Depuis après péché que les hommes connaissent, reconnaissent que c'est mon nom. Eh bien, jusqu'à ce que je connais mon travail, face à ça là, hein? Eh bien, la vie pas j'aime rose. Il va j'aime aller dans ce sens. Donc, comprenez bien. Il a parlé de États-Unis en matière électorale. Ligue une portée mondiale et la gué des conséquences mondiales. Et conséquences mondiales, là, les capables positives, les capables négatives. Ça prend le dépend. Ça prend le dépend des gens qui ont abordé un ensemble de dossiers et les gens qui viennent président. Mon gars arrivé dans mes yeux blanches là. C'est là que je comprends. Je tende, je garde réseau, je garde internet là. Moi, ça, un pile mon abdi. Alors, haïtien surtout, qui a dit que est-ce que. Qui importance et à qui ça s'appelle servir l'élection États-Unis pour Haïti? Il a servi. La servi nous une relation avec États-Unis bien que relation son relation met avec esclave yeah son relation met avec esclave lié OK 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 qui donc son relation son relation mettre avec esclave que lié faut nous dire parce que c'est États-Unis c'est première puissance économique et militaire monde là allez bien première puissance économique et militaire monde là. Et qui gagne gel sur le monde. Et qui voulait mettre en prise li sur le monde. Mais il y a deux pays là, qui nous connaissons clair, qui c'est la Russie et la Chine. Les États-Unis pas qu'à mettre en prise li sur eux. Là, c'est clair. Et bien parce que les gens gèlent sur eux, mais rentrer dans le système politique, rentrer dans le système économique, rentrer en dehors de votre pays, ça y est, jusqu'à présent, c'est difficile. Mais qui dira pour Haïti, hein, Haïti là, on comprend, et nous qui esclaves là, mais là c'est États-Unis, qui donc, on va c'est comme si là, élection des États-Unis, pas peut-être les Haïtiens. Pas peut-être les Haïtiens pour plusieurs raisons. Haïtiens qui vivent aux États-Unis. Et pas oublier, pendant la campagne électorale, Trump, nous avons décidé d'attaquer les gars fait Jelly Vance, qui c'est colistier Donald Trump, nous avons dit vice-président, li, ou a fait sous immigrants haïtiens dans Springfield, Ohio. Et nous avons tout, pas seulement sous immigrants haïtiens, mais nous avons une dernière attaque qui a fait là. Que un comédien un grand comédien superstar américain qui était dans campagne trop t'a fait dans New York c'est pas trop même qui qualifiait Porto Rico comme un tizi les fatra à dire c'est immigrant même que nèg ça pas dans ses collègues et pas seulement haïtien nous même comme nous au pays qui tellement pauvre nous pas bon même on comprend à dire yo pas bon nous pour rien même d'être trop déjà traité nous comme la être de merde latrine. Haïti, comprenez ça? Et je dis un site comme Vini Frem. Immigrant. Immigrant, il s'est mêlé. Ouais, mon cher. Ouais, c'est le premier côté, tu peux pas le faire déportation, mon cher. Ah, ouais, clair.
Si tu es un président, mon cher, premier côté, tu peux faire déportation. C'est Haïtien qui est royaume, mais tu es avec de l'autre immigrant. Yeah. Et pas oublier, J.D. Vance, monsieur, c'est sénateur au royaume que lié. Monsieur, non, c'était lui, monsieur Lakaïli. Mais comme nous ne connaissons pas tout, États-Unis, l'écosystème qui est implanté aux États-Unis. Et système qui est implanté aux États-Unis, hein, laissez-moi dire nous. Là, on est président. Là, on, alors, je ne sais pas si femme, mais il n'y a pas de femme qui est président des États-Unis. Là, on est président des États-Unis. Ou pas de tiers de tout pouvoir aux États-Unis, non, mais on. Parce qu'il y a ce qu'on appelle Congrès, qui c'est sénateur, gagné chambre des députés. Hein. Et il y a ce qu'on appelle les juges de la Cour suprême aux États-Unis. Ouais, juste Cour suprême aux États-Unis. Ouais, ça, y a plus chef par ses présidents. Juge Cour suprême aux États-Unis, y a plus chef par ses présidents. Kounya, nan ça que moi-même, moi, tendez de connaissances qui qu'on a dit, y a fait qu'on ait que trois juges Cour suprême, c'est de notre côté, mais tu l'as président. Kounya, ou pas, j'aime connaître si monsieur t'a vu un président. Hein, est-ce que juste ça yo pas pral admettre soumettre avec lui? C'est là pour regarder baga là. Mais si c'est passé, si c'est pour ça de notre abdio, nous ka di gien le ka toujours fait dans ça dio, mais pas parce c'est parce que c'est un président, non parce que États-Unis son système qui contrôlé. Son système qui gon c'est une échelle et échelle ça, gien plusieurs bar là-dedans, gien plusieurs échelons là-dedans. Li clair mon cher, bon va aller froid. L'être comme t'es président en 2016, gap, go pa ket décision t'es voulu prendre. À chaque fois, le pote yo devant Congrès. À chaque fois que le pote yo. Ok? À chaque fois que le pote yo devant Congrès. Mais devant instance que la pote yo. Depuis ou pas bon, y'a pas lui, y'a pas voté non? Ou pas qui. Ou pas programme pour l'humanité à Biden non? Ou pas comment on ensemble de estate. Aux États-Unis et républicains, Dieu pas blil, et mais ça va, ça a comme conséquence. Mais chaque fois, elle devant juge avec lui, les aller, il y a pas assez d'arguments, pardon. Juge cap traité de ça, dit bon, pas assez d'arguments, de ça reporter, de ça répondre l'autre date. Jusqu'à ce que qu'on y a, mais deux ans privés, non, normalité, le cap 5 janvier à camper. C'est normal parce que, et pour des années. C'est pour montrer que pouvoir la justice, pouvoir système, pouvoir les institutions aux États-Unis. Parce que États-Unis c'est institution d'abord, c'est pas l'homme en soi. Même de nous ça encore. États-Unis pour mon cap garder cap garder là, cap dit mais ça blesse qu'on est là ça là dit comme ça là ben ça pas blesse qu'on peut bagarre États-Unis. Non, pas qu'on même suis bagayo. Les États-Unis c'est l'institution. Bon, c'est institution d'abord. Ce sont les institutions. C'est pas mon nom. Alors que en Haïti, différent Haïti. Haïti, c'est mon yo, les institutions yo. Non, nous comprenons, non. Parce que Haïti, nous avons trois voix là. Haïti, yon les têtes de la loi. On va vous en donner en Haïti. Mais États-Unis, c'est institutions yo. Président, nous avons fait un bagage là. Si c'est n'a pas, si Congrès n'a pas appelé bagage à faire, non. Il y a goumé, il y a fait débat, il y a pas aller. Mais depuis c'est n'a pas appelé. Depuis pas joué de majorité dans le Sénat, il va pas passer. Depuis la Cour suprême, à travers le juge ou pas, il va passer. Mais il y a un problème qui est dans la question de déportation et migration. C'est toutefois, tu es un président. Parce que les gens qui connaissent des avocats qui ne peuvent pas parler, parce que faut attendre. Faut attendre et faut attendre des gens qui connaissent. Et les gens qui connaissent parler, parler de la question de migration aux États-Unis, ils ne peuvent pas regarder. D'abord, jusqu'à ce qu'il y ait une immigration, c'est président, mettez-le, mais c'est pouvoir qu'en place. Mettez-le, il dit, son job lié, il va faire un job. Il laisse pouvoir, mettez-le, qui va faire un job, eh bien, ça, ça pouvoir qu'il a mis au mando là, ou pas qu'il va faire. Et c'est là, pour le nom qui a existé. Mais pas oublier, me dit-nous ça. Pas maintenant, nous allons déporter comme si, si tu as venu, il va marcher prendre un monde comme ça, prendre un déporté. Regardé récemment, gagnon un organisme qui dit qui montre que d'après étude de recherche li li montre que état Floride c'est un autre côté qui va gagner pic de déportation c'est toutefois trompe ta bon mais attendez bien Floride gagne pile immigrants
et gen pile haïtien qui Floride. Yeah, gen pile immigrant et gen pile haïtien qui Floride. Mais laissez moi bien. Déportation immigrant j'en ai pas comme ça même les états Floride a commencé avec on a dit trop tard on a fait déportation d'abord et pas comme ça faire tout non. Pas comme ça faire café comme si faire comme ça. Non monsieur. Ah monsieur. Pas comme ça faire. Abgé, j'aime dire, abgé des problèmes que ou qui gagne entre ou même avec la justice et puis il y a pour capable la soka qui bagarre et puis il a décidé. Parce que même sous Joe Biden il a déporté mon en Haïti. Mon quoi ça qui gagne 2 semaines mais 3 semaines. Il a déporté plus que 77 haïtiens en Haïti. Et administration Biden a déporté les haïtiens. Mon quoi ça qui gagne 2 semaines 3 semaines. Et là, on garde des données chiffres, yo, ouais. Pendant le règne démocrate, et surtout, on dit, soit Obama, soit Joe Biden, il y a plus de monde qui ont déporté, oui, soit aller dans le pays qui est les républicains là. Bon, peut-être. Ça, m'a dit, non, mais donner un chiffre, vous pouvez. Mais quand il y a un problème qui gagne, que moun pas j'aime, moun pas vraiment trop mettre accent sur les gens que démocrate a fait déportation, yo. Parce que, yo même utilisé peut-être, et voir légal, mais formalité, hein. Mais, par rapport avec Jean-Claude Abdil, comme si vous venez estimer que c'est un ex, si la président, libre aller dans une dimension, que la passe ça la loi dit, la passe et ça les formalités en papier. Est-ce que vous m'avez dit? Et ça fait après, il y a pile qui saute ça, il y a pile pression ça, il y a pile doute ça qui gagne. Est-ce que vous comprenez? Mais tout le bagage qui a fait, il y a un principe, il y a un homme. Et bien, Haïti, il y a un crasé Haïti. Ben voler Haïti, on n'a qu'à faire les petits gens qui ont volé. Non, et bien Haïti. États-Unis, il y a un principe, il y a la loi. Et moi, je dis ça. États-Unis, institution, plus forte passer moun nan. Eh, le plus forte passer moun nan. Parce que, imaginez, malgré trop pas très idée, vous voyez, zone juillet, bien moi, d'août. Vous voyez, j'ai trop tapé de faire monter des dans la justice. Et malgré l'inan coussin là, les gens ne peuvent pas 34 combien acquis à son soudol. Est-ce que vous avez dit? Il n'est pas capable, non? Les OEL, il n'est pas capable, non? Elle aime bien. Les la justice, il n'est pas capable. Est-ce que vous comprenez? Alors, ce que Haïti, vous regardez bien là, ULCC, il y a des scandales de dénonciation qui fait sous trois personnes qui sont relées. Eh bien. Sous trois moun ken rele conseiller président, nego impliqué dans des scandales de corruption, ULCC qui ont une institution étatique, que l'État bal moyen, l'État bal existence li, comme institution indépendante qui travaille dans scandale de corruption, malgré que yo tande ak de moun ke mon kenye le conseiller là yo dans dossier scandale corruption ULCC produit rapport et dit moun sa c'est des moun qui impliqué et demandé pour mettre action publique en mouvement et outendé même de moun sa yo et même de partisans et de proches yo y a qualifié de scandale de corruption alors que ULCC avoué et des preuves des données palpables que moun sa yo yo impliqué dans scandale de corruption ça veut dire kounya là ULCC li comme si comme institution li pa importance li pa pour ali. Je ne comprends pas. Et c'est ça qui fait que nous sommes loin pour nous capables de gagner l'autre Haïti. Nous sommes loin pour nous gagner l'autre Haïti. Parce que Haïti, nous plus contribuer dans créer des institutions qui nous mettent au capé. Nous avons dit, autant des avocats tels nous avons conseillé, nous dit, juge n'a pas de compétence pour le tendre et nous avons dit, parce que, et pas de la Cour de justice, c'est là, c'est là-bas. Maintenant, c'est un document qui va exister avec Nexayo, et en dedans document, il dit même document que nous avons accepté de signer, nous avons voulu passer dans le papier, ça veut dire, pas d'institution. Haïti, l'institution n'y a pas de force, n'y a pas de place. C'est mon qui est important. Mais pas oublier.
et à quel que soit pays à travers le monde. Je vais vous dire cela, mes amis, mes internautes. L'État est permanent. L'État est permanent et le pouvoir est éphémère. Et quand je dis le pouvoir, l'État est permanent, ça veut dire que c'est institution qui est permanente. Hein. C'est institution qui est permanente, qui est toujours là. C'est-à-dire, institution est toujours là, mais moun yo pralé, moun yo passé, moun yo pralé. C'est-à-dire, ou moun qui vient comme sénateur, comme député, comme président, ou gon mandat, ou gon juré, mais après mandat, l'on pralé. Ça veut dire, pouvoir là, son bagage, je dis à demain. Ouais, malgré jodi a nego arrangé avec des mercenaires, yo touye assassiné président Jovenel Moïse, mais on parle de la présidence. C'est l'État à travers ses institutions existe toujours. L'État à travers ses institutions existe toujours. OK? L'État à travers ses institutions existe toujours. Faut pas qu'on y a des gars avancer des thèses ou yo c'est des présidents et avec petite fonction de président. Vous comprenez? Yo c'est des présidents avec petite fonction de président. Le fait que yo c'est des présidents avec petite fonction de président, ça veut dire que là, eh bien, yo juge par incompétence pour le tendre au magistrat et pour tendre au nez qui dit c'est conseil président et qui est impliqué dans ce que la corruption. Là, pour défendre intérêt par yo, pour défendre droit par yo, ils reconnaissent l'État à travers ses institutions. Mais laissez pour capable et rendre l'État sa force, il n'y a pas qu'une institution. Il n'y a pas qu'une. Vous comprenez? Les pour défendre intérêt yo, ils mettent institution côté envers eux-mêmes, mais continuez mais ça va les bon. Mais laissez pour rendre l'État fort, un pays fort, le pas besoin qu'une institution. Je dis hein, lorsqu'un ULC se passe ULCC en papier, ça veut dire, elle nous dit l'État pas existé non? C'est elle nous dit que boîte ça qui est les ULCC, il pas existé non? C'est clair? Si moi-même comme ces citoyens ULCC relim, il dit impliqué dans la corruption, il dit moi la dit pas valer. Parce que moun ki bon moun ki bouta bay si ala pa bay li hein et ça fait moi dit pendant que Haïti mette focus sur élection États-Unis et pas oublier la caille nous Haïti depuis 2016 moun ko pay a konnen dernière élection yeah. Pendant que mettez focus sur l'élection États-Unis qui m'a des problèmes. Et pas oublier pays Haïti qu'on est dernière élection en 2016. OK? En 2016. Et côté que c'est l'État Babanou, Jovenel Moïse comme président. Ok? C'est l'État Babanou, Jovenel Moïse comme président. Jovenel Moïse, lui-même, beaucoup de parle. Il va faire élection. Il doit respecter durée d'élection, pour faire élection, renouveler le Sénat, tout le monde. Les mêmes tu pas de faire. Ça veut dire mettre jeudi en pays en dans ça là. OK? OK? Ça veut mettre pays en dans ça là. Mais qu'on y a ouais dit à qui la faute? Moi, je dis, bon, oui, Jovenel, parce qu'il était président. Il était doué pour être disposé pour faire élection. Mais est-ce que Jean, réalité a été venu en face de est-ce qu'il était qu'à faire élection par rapport avec ça qui est présenté comme problème? Bon, peut-être des questions à poser.
des questions qu'on a posées. Est-ce que vous comprenez? Mais je dis, hein, dans le dit que avec chaque gagnant, non? Ok. Ça me l'a dit avec chagrin, non? Que ça vous connaît. Me l'a que j'aime de jeudi. En goumé. En goumé pour que. Pour nous changer la caille. En goumé pour nous changer la caille. En goumé pour la caille nous bon. Même si c'est l'ensemble, et la mié moi-même. Et l'ensemble, et c'est la mié moi-même. Ok? Et l'ensemble, et la mié. Mais j'aime garder un capeté conseil président yo avec PM Gary Kouni. OK. Lem gade sa ka passe yo en Haïti, mwen vin comprendre que volonté pour retirer Haïti dans sa li la li Non loin. Parce que nous toujours été attendre ces blancs. Yeah, parce que c'est blanc pour nous même c'est blanc et blanc pour venir tirer nous, c'est pour verser pour nous. Et voilà que PM Gary Kouni dit l'avant hier. L'était dans forum dans Keskoflan. Il dit que international a dit bouquet avec Haïti parce que il y a des années à ba Haïti aide. Ben, on va me changer. De Dieu, pas jamais changer pour me pire mal. Il y a longtemps, il y a Haïti aide. De Dieu, pas jamais changer, ben, on va me pire mal. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, pays, hein? Société. Ça n'a pas gardé, ça n'a pas vivre là. Yo vraiment metine. Dans des situations, côté que nous abdités, nous, qui l'est, qui joue, n'a pas sorti dans ça. Yeah. N'a pas dit non. Qui l'est, qui joue, n'a pas sorti dans ça. Mais moi-même, je crois que, gain un jour, gen un jour gonlè n'a sorti la dan. Yeah. Gen un jour gonlè n'a sorti la dan. Peut-être ban konbèt sa pran. OK. Je ne sais pas combien de temps ça prend
Yeah. Yeah. OK. Mais moi-même, je toujours dit que l'autre Haïti que m'a prôné moi avec Désir Venès, non? M'ka baguette en wel. Et le pape dérange si m'a baguette en wel. OK? Le pape dérange si m'a baguette en wel. On mourit ça? Parce que ça arrive. Parce que m'baite quoi son bon matin la Haïti Haïti a trouvé une salle parce que ça j'ai Haïti vient tourner pas bon matin vous mettez comme ça. OK? J'ai Haïti vient là et pas bon matin vous mettez comme ça non. Ce bagage construit. Il aurait fait mettre comme ça. Mais c'est même gens. La prend nous tantôt. Pour nous capables de remettre Haïti sa campé. Mais qu'on y a, nous avons besoin de monde qui a volonté. OK? Nous avons besoin de monde qui a volonté. Mais c'est moun qui c'est haïtien. Mais ça me dit bien. Et pas moun qui pote non haïtien non comme dans, mais moun qui c'est haïtien. Haïtien la nam. Haïtien nan zo qui dit OK. M'blé font le bagage pour Haïti et m'gal contribuer font le bagage pour Haïti et m'a quitter ça pour Haïti. On clair sur ça. Dès moi bâti mon petit moun, c'est grand moun et c'est là je m'apprend à aller m'braler. Qui donc nda remen travèm ki ton bagay pou Haiti. Nan men travèm ki ton bagay pou piti mwen k ap vini, piti mwen k ap vini, nda men ki ton bagay pou yo. Et vous dit ah mais sa papa, mais sa grand-papa m te travèl ki te pou mwen. Et ba terme de bien richesse oui ça la donne, mais parce que je dis en grand pile parent la travèl di ki te de bien pou piti yo, mais est-ce que tu as contribué pour te gon l'autre Haïti? Parce que je dis regardez pour même dans bien ça ou t'es ou t'es quitté ou ti mon mais il pas ca jouer. Et ça fait me dire. Plus gros bataille là, c'est goumen pour gon l'autre Haïti. OK? Plus gros bataille là. C'est goumen pour notre Haïti. La prend notre temps. Et la prend notre temps. Mais depuis nous voulons dans le café. Ouais, je dis, hein. Il y a pile focus qui mettait. En pile focus mettait. Haïti met un pile focus sur l'élection États-Unis. Bah oui? Mais Kounia, on dit non. Qui l'a gagné l'élection de la Cabane en Haïti? Qui j'en a fait pour gagner l'élection de la Cabane en Haïti? Yeah. Qui j'en a fait pour gagner l'élection de la Cabane en Haïti? Mais j'ai m'a regardé là avec des têtes exécutives ça connu avec et comment capeti ça m'ba volontaire non moi-même non connu avec capeti m'ba parce que c'est comme y a goumé pour intérêt personnel yo y a goumé pour intérêt personnel yo affaires personnelles yo mais non pas cause Haïti. Bon.
On va voir. Avec les choses de Sam, les gens comprennent ça. Haïti, je t'aime, comment ça, mais... Mais quoi ça? Moi, je me dis qu'il y a besoin de vrais Haïtiens. Oui, de vrais Haïtiens. De vrais Haïtiens. Parce que... Même jusqu'à présent, mon qui est en Haïti, comme qui est le dirigeant autorité, comme si je ne pas en Haïti. Je ne pas en Haïti, non? Je suis seulement venu en Haïti, c'est une entreprise. Qui a eu un travail là-dedans. Il y a le travail, il y a le fait quoi pour prendre soin de tête, soin de petite, soin de madame, soin de famille. Mais pas soin. Et pas comme si son entreprise qui a le bail service avec mon qui prend entreprise et service là-dedans. Alors ce que je dis, hein, Haïti, son entreprise. Qui pata là pour comme si pour c'est ta tête encore ben service là donne comme employé non mais ou ta doué là donne comme employé ou ba moun qui vient prendre service là donne donc aujourd'hui hein, c'est ba peuple dans service c'est permettre que entreprise ça li nan dimension pour que li ba peuple les services mais c'est le contraire en Haïti c'est contraire en affaire yeah, c'est contraire là et si je dis hein, ça va passer dans le pays. Hein? Je crois que ni important pour nous garder, ni important pour nous. Elle. Ok? Parce que le pays, ça, ok? Le pays, ça, en pile dans nous, besoin. Moi, c'est nos besoins. J'aime toujours dire ça. L'aime dit ça un peu, mon gars, pas d'accord avec, mais c'est vérité. Nous avoisinons environ 12 millions d'Haïtiens qui vivent en Haïti. Peut-être nous avons 2 à presque 3 millions d'Haïtiens qui vivent en Haïti. Ok? Nous avons environ 2 à 3, presque 4 millions d'Haïtiens qui vivent en Haïti. Qui est papillé à travers le monde. Bon regarder environ 12 millions qui vivent en Haïti. Haïti la grande majorité a vivent en Haïti. Malgré Jean Haïti là. Eh bien, en goumen. Pour ça qu'a vivent en Haïti yo, qu'a vivent. Parce que yo pas qu'a venir vivre côté rien. Et pas tout 12 millions qu'a venir vivre leur côté, soit ou y a bel côté encore pour aller. Mais en goumen pour ça qui en Haïti, ou ça qui là caillou yo même. Capable vivre. Même c'est là, c'est ça, et moi c'est là et ça me toujours dit moi. Et ça me toujours dit et c'est là me toujours yé moi-même. Yeah. Et ça me toujours dit et c'est là me toujours yé moi-même. En goumen pour ça qui pour ça qui a vivre en Haïti capable vivre. Et pas comme si existait pour vivre. Parce que les nous dit vivre, il y a certaines conditions pour mon vivre. Au monde qui est aux États-Unis, il voit comment on a vive. Au monde qui est la France, il voit qui j'aime mon vivre. Au monde qui est Canada, il voit qui j'aime mon vivre. Au monde qui est en France, il voit qui j'aime mon vivre. Le regarder dans le pays, ça coûte autre chose là comme haïtien. On regarde Haïti, on dit mais non, Haïti c'est bête. Si un monde qui a vivant qui alors qui en Haïti ils sont héros ils sont une héroïne et ça fait prêcher nous la résilience la résister alors que américain va la donner américain va la souffrance dans vous non parce que il tape travail il pas quatre travail pas un travail il prêt pour tout tête lui mais Haïti il faut accepter hier yeah. Pas de travail, résigner nous. Il faut accepter misère. Il faut accepter calamité, misère. Il faut accepter. Et vous-même, tu acceptes vraiment.
Regardez tout scandale des autres volets corruption qu'a fait non en Haïti là dans KPT Primati ouais comme si badien et yo ba peuple l'autre occupation qui c'est bandi cap touyer le cap balbal. Est-ce que vous comprenez? Donc je dis à mes qui comprennent ça. Mes qui nous garder. OK? Mes qui nous garder. Que situation pays hein? Et ça qui a passé là à travers le monde, les mondes bouleversés, les mondes bouleversés, guerre en Ukraine, la Russie, guerre en Moyen-Orient, situation révolution en Afrique, coup d'état, tout bagage, le monde a bouleversé. Mais en goût, mais pour nous côté ni en Haïti, c'est qu'à sauver pas nous, parce que nous goûts pour nous sauver pas nous. Vraiment, et je crois que j'en ai dit, hein, à travers mes cette nouvelle, n'a porté toute dernière information ba nou, qui est pour avec question déroulement élection générale aux États-Unis. Entre Kamala Harris ou bien Donald Trump, qui est-ce qui va venir 47e président des États-Unis, qu'on va connaître? OK? Qu'est-ce qui va venir 47e président des États-Unis qu'on va connaître? Mais en pile monde. Et si on venait et zamete à notre nouyo, PM Gary Koni, monsieur Gaye non parce qu'il fait pile déclaration dans Keskov jeudi dimanche là. Premièrement, PM Gary Koni clairement dit que cette histoire de mercenaires qui a parlé en haïtien, Koni dit pas que mercenaires en Haïti. C'est le premier bagage ici. Deuxième bagage PM Gary Koni dit, PM Gary Koni dit que l'imande KPT à CPT à tout ensemble de matériel pour que li capable bay force de l'audio jusqu'à présent gagnant de matériel que le mandé yo li poko jam rive joine yo. Ça veut dire résultat pour que li ta commencé à bay lan li poko vraiment gen matériel adéquat nan mel pour que ta commencé bay résultat ça yo. Le parole que PM Gary Koni dit monsieur clair sous ça. Monsieur mandé l'autre conseiller dans conseil présidentiel transition. PM Gary Koni mandé conseiller yo pour que yo décide, yo prend décision avec trois conseillers qui nous cité dans le scandale corruption BNC. Pour nous dire bien, Louis Gérald Gilles, Emmanuel Bettiller, Smith Augustin, mais PM nous demandé pour prendre décision avec trois messieurs Sayo. Parce que en pile voile dans la société, hein, et même dans la diaspora, yo dit que le pas normal pour que trois mouns sa impliqué dans le scandale de corruption pour que yo continue à décider dans l'État. Et PM Koni dit, li pa gen problème avec question remaniement ministériel. Mais PM a le plus loin pour le désir que normalement, même l'été que parlement haïtien tabay minisio et intervalle 6 mois pour capable évaluer pour est-ce que et ça au gain comme fait est-ce que exécuter alors que la pagaie parlement et mettez sous ça que ministre qui dans gouvernement lio et on dit c'est 2 mois à 3 mois qui au gain qui donc qui t'a au gain devant yo pour capable déjà ba résultat. Ça veut dire qu'on y montre que ça que capeta parler en termes de yo pas satisfait yo passé si yo passé là mais qu'on y dit vrai problème est pas salié et pour nous dire encore des événements que qu'on y dit clairement que li ba garanti avec les peuples haïtiens d'ici fin année 2024 là mais moun ap capable traverser sous Matissan et Kafou Grissier les Ougan et moun ap capable traverser zone et Canaran et Titan Yakaye pour capable aller dans grand nord pays des Yvelines. Précipitation question 25 militaires calés directement dans pays la France li commencer faire parler en pile qui permet en pile réaction à multiplier. Côté que des gens qui réagit, qui dit nous raille la France comme ça, et puis plus passer 100 000 Haïtiens à vivre en France. Parce que des compatriotes, des nationalistes qui a regardé, qui songe, qui sa l'armée indigène, te fait l'armée française dans le pays d'Haïti, dans la bataille de l'indépendance, malgré qu'on a fait une paye. Total pour Haïti, l'en arrivé dans moment ça, pour c'est même la France ça, cap dit que la bonne formation militaire, pile militaire a quitté le pays d'Haïti pour aller dans le pays de la France. Mais on note pour la presse, yo publié pour journée lundi 4 novembre 2024, là, ministère de justice et sécurité publique,
confirmer présence en Haïti, compagnie sécurité multinationale Superbarker Group. C'est ça, c'est un programme que on gagne ensemble et côté formation monitoring qui vise à renforcer capacité institution la police pour travail puis bien et plus efficace. Lui dit c'est en accord avec les standards internationaux la police que ça arrive à faire les personnes. Jodi a nan bataille qui éclaté et ouais mais c'est dame qui n'a capté servi avec ça les personnes. Pour yo dit c'est mercenaires qui dans pays a c'est pas parce que yo pas connaît mais il y a besoin avec communication de masse pour intensifier division qui gagne entre KPTA et la primature. Je dis un peuple haïtien besoin intelligence pour yo pas prendre dans sa capacité là. Selon ministère de la justice c'est en bas supervision direction générale police nationale là compagnie ça rivé en dedans pays pour bail formation tactique avancée pour policiers haïtiens. Ça veut dire pas de trop par l'empire tant que Jean Wayne qui a fait là. Premier ministre docteur Gary Conny lui-même qui montrait qu'elle pas fait on pas quitta on pas nago qu'on y a songé il était parlé de résolution que conseil était déjà signé ou est-ce que capable remplacer Gary Conny selon parler Gary Conny li tout montrer pas rien que nago ka fait nago pas ka mari on branche son civil parce que lui-même l'a géré pays au nom de la loi et monsieur conseil présidentiel transition yo qui baigne dans question corruption. Blaise, l'autre aspect que nous regardons là, PM Gary Conny qui mandait révocation trois conseillers présidentiels qui plongeaient dans scandale corruption. Nous avons l'autre côté que nous regardons. Trois conseillers ça ont révoqué, ou bien ils ont allé, ou bien ils ont remplacé. Est-ce que. Exactement, pas oublier là, ça c'est la première des batailles, allez-y. Et ça qui prend mener bataille en pays. Parce que PM Gary Conny, vous dit bien, monsieur fait déclaration ça pendant que tu as participé, non chita à parler avec divers ministres, avec des habitants, des citoyens, non qu'est-ce qu'on désire. Mais on met trop de choses à dire, parce que c'est un coup plus. Très bien. Ma pose peut-être une question. Après, premier ministre Dr. Gary Conny, mandé renvoi total trois conseillers présidentiels. OK? Sans négociation. Est-ce que accord politique qui a été signé 3 avril là, bail ensemble parti organisation politique doit pour remplacer. Est-ce que attends, c'est pas fini. Est-ce que Kounier remplace si remplacement arrive fait Leslie Voltaire a 4 jours été comme président conseil présidentiel transition l'en connaît. C'est un nan moun qui fait objet d'envoi vers la justice dans le cadre de ces corruptions de NCA, c'est lui-même qui était président. Vous voulez parler de Smith Augustin. Ça veut dire son conseil présidentiel et la situation qui a bien problème de temps à autre, qui a bien problème chaque minute et chaque jour, qui n'a pas bien stabilisé. Est-ce que ça a tout, pas tout occasion pour pratiquement conduire le pays vers l'autre gouvernance qui pourrait aller directement dans le cours de cassation tant que la constitution est prévue. Et les images pas des PM, il y a une déclaration qu'il fait, parce qu'il va venir avec l'intervention PM, non, mais comme si déjà dit Mounio, mais ça PM n'a dit à cause de modo qu'il estime qu'il attire attention nous, et qu'il y a plus de problème pour ces débats et qu'il se souligne. Le bagage PM n'a dit, il n'a pas dit à quoi 3 avril, PM n'a demandé ça. PM n'a demandé avec KPT1 pour qu'il publie à quoi 3 avril dans le journal Le Moniteur. PM n'a demandé pour que M. Dame Capeteo publie à 3 avril dans le journal officiel payant Le Moniteur. Et le bagage PM Gary Conny dit désir. Et là, monsieur dit que, ça a important, en pile dans l'opération que force de l'audio planifié, bandit yo guetta qu'on est qui a venu. C'est bien samedi. Parce que nous attendons. PM n'a dit, en pile dans l'opération que la police planifié, pour que la démantèle réseau criminel assassin yo et ben bandio kon geta konnen que la qui police a bien et ben question a posé qui côté le sorti tendez citoyen la police non tendez citoyen tendez PM nan les pile pour dire toujours bande gè moun ki nan dol ba kon CH sécurité l ba kon qui est soyé monsieur dit gè moun ki nan dol gè moun ki nan dol l'a vérifier téléphone moun sa yo moun sa en contact avec des chefs de gang dans pays. Yo pas t'arrêter? Ah, oui, m'a pas trop détails si arrêté ou pas, bon même arrêté. Pas monsieur t'ai arrêté youn. Qui est ça parlé? Pas vraiment soyez non même soyez gayoun dans monde qui était détaché avec Gary Conny qui était arrêté dans Pétionville, c'est moi pas faire défaut.
Ah bon, ok, ça veut dire que vous ne savez pas, même tout, vous connaissez tout le monde, ça, tout ça, ça qui est arrivé, tout ça. Mais, elle dit, PM n'a tellement un ensemble de dossiers, il dit là, et dans l'intervention qu'il fait, parce que, pas oublier, moi, dis bien, c'est dans Pétionville, Keskov, qu'il a rencontré des citoyens dans Keskov. Nous allons venir ensemble déclaration, ça, mais désolé, ça me dit non tout. Et, gagné, un dit d'après, et collaborateur avec Claude Antoine, monsieur Fenn, qu'on est que, et, dans le moment, on a parlé en là tout, matin, lundi, qui c'est 4 novembre 2024 là, eh bien bandi et Kempes dans Bel Air, bandi barbecue dans Badelma, nèg tu a gardé comme on capable continuer faire de assaut des attaques sur mon Solino et sur mon Front National. Elle veut dire et nan tant que n'a parlé pendant et commencement journée lundi, mais collaborateur nous Claude de Antoine Ken Calvin avec talé comme ça, libéral ba nous détails sur ça veut dire Front National Solino et eh bien en, jusqu'à présent que situation beaucoup jamais dans normalité les événements. Le bagage encore désir. On aller. Dans ça qu'on doit ajouter. On aller, on aller. Mon frère journaliste Johnny Ferdinand, guerrier Jessel, sous gros menace, vive ensemble. Jeff LaRose, a.k.a. Jeff Gaulois, chef gang canarin, non live TikTok, quel lié avec barbecue, il déclarait qu'elle mettait 60 000 dollars pour quel que soit soldat vive ensemble, qui portait des necks à Obali. Ça veut dire 30 000 dollars américains sous tête chaque journaliste. Il dit que ce n'est pas lui-même qui va aller chercher necks. Mais soldat vive ensemble, il a pour mission pour aller chercher des journalistes à Obali. Pour te Bali. N'a demandé avec organisation qui a défendu droit moun yo. N'a demandé avec la justice, la police prend responsabilité pour protéger la vie des confrères journalistes ou de la situation. C'est pas après au fin victime. Laisse ça pour autorité yo, pratiquement abdi si yo te connaît. Je dis la vie monsieur menacé, famille yo menacé. C'est prendre responsabilité nous pour nous protéger la vie jeune garçon ça qui rentre dans bataille pour l'autre haïtien. Pas parce qu'on est l'autre parti. Peut-être que on monte à des problèmes avec eux. Mais yo c'est des confrères journalistes, yo sous menace, je dis en sérieux, demain qui doit c'est moins avec Blaise. L'État haïtien nous gagne responsabilité pour nous protéger la vie des jeunes journalistes haïtiens. En tout cas, et ben là pour notre dimension là, ben là pour notre dimension d'ici. Et ben là pour notre dimension d'ici. Et là petit d'ici, pas oublier que élection États-Unis c'est pour mardi 5 novembre. Mardi 5 novembre, c'est Andy, c'est dans 12h encore, c'est dans 24h encore. OK, élection États-Unis, élection alors date officielle là, on va me dire ça parce que gain de côté mon déjà commencé voter. Mais date officielle élection États-Unis c'est pour mardi 5 novembre que États-Unis pral konnen et peuple américain pral konnen qui est-ce qui va venir 47e président États-Unis. Qui est-ce qui va venir 47e président États-Unis? Est-ce que c'est actuel vice-président et qui la Kamala Harris qui c'est candidate et démocrate? Est-ce que c'est Donald Trump, qui est même c'est ancien président États-Unis, mais qui c'est candidat républicain, qui est là au Dirk Calvini et 47e président États-Unis? Pas oublier, c'est Kamala Harris qui est venu président, Libralvini, première femme qui est présidente, qui a dirigé États-Unis dans l'histoire, la première femme. Et si toutefois c'est à Donald Trump, eh bien, je prends parti pour mon deuxième mandat. Et que le pape cap un troisième mandat encore. Bien que, en pile américain, ouais, avec un deuxième mandat de Donald Trump aux États-Unis, et États-Unis apprenait des moments amers, apprenait des moments de dur labeur, selon ça, on fait qu'on est. Et ça fait, en pile gros méga star américaine, yo Corée, Kamala Harris, et yo mandé avec de supporters de moun kap suivi yo pour que yo capable rejoigne yo et ajoigne yo côté au camp. Là, en pile projecteur li, mais c'est le monde, de bien désir. C'est le monde qui met projecteur et nan journée mardi 5 octobre là aux États-Unis dans élection ça. Et Washington DC, la Maison Blanche, yo déjà prend en pile disposition pour capable sécuriser la Maison Blanche. Yo déjà prend en pile disposition pour capable sécuriser Capitole. Parce que pas oublier, n'a songé mais le 6 janvier 2020 et qui ça t'a gagné 2020 et 2020 exactement, ça t'a gagné et aux États-Unis et dans question ça. Donc et mais déjà en pile militaire différentes bases dans le pays États-Unis déjà mobilisé, nèg yo entré dans base, policiers dans presque toute ville, tout état yo mobilisé pour capable gérer journée mardi 5 là et même après mardi 5 novembre. Donc et en pile projecteur plimé là sur États-Unis. Pas oublier tout.
gagné et plusieurs millions, on me dit bien, plusieurs millions d'immigrants qui menacés avec un éventuel rivé Donald Trump en a et dans tête États-Unis encore. Parce que va oublier, Donald Trump toujours dit dans la campagne, et si toutefois qu'il t'a tourné président des États-Unis, États-Unis pral qu'on est plus gros déportation que jamais qu'on est dans la ville. Donc, ça encore menacé, ni immigrants haïtiens, immigrants mexicains, tout immigrant qui est États-Unis, je dis, eh bien, ils ont tout ça qui n'est pas à l'abri avec rivé Donald Trump dans la tête États-Unis. Si toutefois bien dit, qu'il t'a arrivé et président élu en l'autre fois dans le pays États-Unis. Les gens regardent ensemble de points ça yo, mais j'en ai dit à désir, par contre, je ne vais pas ajouter un autre bagage, sinon, nous allons venir avec quelques déclarations que PM Gaïe qu'on y fait. Monsieur qui parlait, et parce que tout ça nous dit là yo, c'est pas nous qui avons inventé yo, c'est pas nous qui avons créé yo, et bien PM Gaïe qu'on y, monsieur parlait, et nous allons venir avec déclaration de monsieur désir, par contre, je ne vais pas ajouter quelques bagages. Blaise, on va avancer avec PM, non, parce que c'est important pour nous faire entendre, Gaïe qu'on y, qu'on position, garçon, quand son, pour montrer que monsieur et dame ça yo, qui pratiquement dans KPTA, c'est des chalos kake yo, yo pas qu'à faire le père, li continue qu'elle position pour le dire pas gain, yo nan ministre qui a changé, li rale, si te gain parlement, c'est au moins yo deadline, 6 mois que yo tap bay pour te évaluer travail ministre, elle fait valoir des matériels qu'elle mande, il pas joine, ensemble opération qui biaisé, ensemble opération. Il y a ensemble opération que lui-même li... C'est ça. Matériel qui pas cabrivé et bien Blaise nous attendre le premier ministre Dr. Gaïe Conny. Exactement. Nous va venir avec PM Gaïe Conny. Pas oublier c'est notre activité que il était avec Andy on chita parle avec plusieurs citoyens notables et jeunes dans Keskov et ça veut dire après interaction intervention mais m'a permettre qu'entendre et prendre ça pour aider. Activité le forum citoyen il était fait dimanche 3 octobre 2024. Exact. On revient avec PM non. Mais ensuite côté vérité aïe, monsieur le premier ministre. Par contre, si mon qu'est-ce qu'on sait pour ça, vous êtes venu, mais comme question a tombé, n'a pas ni. Nous voulons lire ou bien, n'a pas les deux qu'est-ce qu'on fait plutôt. N'a pas les deux tout et deux rien. Nous connaissons ça, mercenaires là. Mercenaires là sont mon ou ballon cob. Et puis, il n'y a aucun intérêt idéologique, politique, dans le combat. Il prend cob là pour l'algoumer, pour la tuer. Pour l'alphe baye vous. Garantie que m'ka ban aujourd'hui pour m'commencer. Pour m'commencer pour m'répondre une question direct, sans passer par bois. Pas gagné un mercenaire sous sol d'Haïti. Ça pas existe. Maintenant, m'vle tout que nous connaît. Que moun kan fasoua, apprend toute disposition. A fait tout ça la loi ban autorité pour me faire. A fait tout ça dans la légalité que la loi, la constitution, tout moyen que la loi ban moi. Pour me kembe Solino. Pour me kembe Akay. Pour me kembe Ponsonde. Pour me retourner sous CAF. Nan pour moyen légal que m'a à ma disposition que m'a pas utiliser. M'garder force police moi. C'est lui qui guide moi. C'est lui qui dit ça le besoin, ça le pas besoin. C'est lui qui dit côté le coller, côté le pas coller. Mm-hmm. Responsabilité pam, c'est lui qui dit le coller pour me décoller. Maintenant, question, il y a CPTA. Bon expression qui dit, et je ne sais pas si je connais bien, non, de ces mots qui rappellent, comment on dit, bah, ouais, l'enragé. Rager qui a pile oreilles. Rager qui a pile oreilles. Et le milieu n'a pas avancé là. Quand pile oreille. Qui ça m'ouait depuis 4 mois? Policiers planifient opération. Ils prennent toute disposition pour faire belle opération. On va commencer l'opération. Bandi gen t'en connaît. Qui ça m'ouait au cours des 4 mois? Pas plus tard qu'avant. Qu'on a avancé côté service renseignement. Soit ni bon côté la présidence, bon côté la primature et ministère intérieur et la police. Est-ce que c'est des policiers qui en deux? Parce que pas oublier, j'ai des citoyens en deux de Fonds National qui étaient clairement qu'on dit que il y a des informations que des policiers qui en deux même Chablendo qui a informé Bandi. Est-ce que ça peut même les parler? En avance, Ramon Amil, ça c'est un message tout que PM n'a envoyé bas ou comme déjà la police et chef d'opération. OK, chef d'opération yo, par contre qui est sur dans la police là, ça c'est un message que PM gars qu'on envoyé bas nous tout. Parce que comment faire que la police des unités prend toute disposition pour mener des opérations. Et puis, avant même de déplacer, ben, Dieu qui est en connaît.
et de même pour l'armée tout, parce que et pas seulement la police qui a mené l'opération, mais l'armée tout. C'est-à-dire, la, travail pour ou état-major l'armée et ou commandement la police nan, en avance. Entière, nous et la police font opération côté le prend une l'argent, c'est lui qui a distribué. Bon, tout dit nous ça, plupart de policiers que moi, c'est nèg qui pour vinn servir, qui vinn bataille, qui vinn protéger. Deux trois grain nous gagnons, c'est eux tandis. N'a vivre une situation là à Kounia côté marin gwen en volé, nous pas connait sac mal, sac femelle. Donc ça m'a dit là, ça me pas dit là, il y a deux soucis. Est-ce que si me dit m'a mettre police moi à risque? Est-ce que si me dit l'a mettre opération à risque? Mais ça guidé moi dans ça me partager et dans ça me partager. N'a vivre un moment très drôle. Nous joignons que gagne monde qui t'a supposé à appuyer transition, c'est eux qui a essayé faire transition en bas marche. Subitement depuis 3 semaines, par contre ça qui passé mais moi m'go attaque coordonnée. Dans 3 4 5 sites différents. Subitement par contre ça qui passé depuis 3 semaines, moi me compte que gon mobilisation l'argent qu'a fait pour mobiliser base. Subitement depuis 3 semaines, moi gon engouement pour mettre l'accent sur ça gouvernement fait ou ça le va faire. Nous l'on situation côté en tant que chef CSPN, en tant que responsable décision concernée sécuritaire. Nous obligé très très prudent dans jeune partager information parce que nous en 4 mois que ça mettait opération à risque. N'a permettre moi ban un petit exemple tout à fait personnel. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines. Moun ki proche moi dans entourage moi tous les jours levé, sorti, pour mener avec. Pendant nous ensemble, pour une photo, quelques jours après, mon formateur il me dit, nous avons un monde là, et ce qu'on dit, mon lié. Le regardé dans le téléphone, mon là, je joins tous les jours, mon là avec, derrière les deux toiles en chef bandit. Moment excessivement fragile. Demandez d'être. Ça a dû. Elle dit là, mon nana de chaque jour. Et chaque jour, presque, elle parle avec deux, trois dans le chef bandit. D'ailleurs, c'est pas. Et parti, quoi, le pied à terre, comme si c'était un monsieur pour qui pied à terre. C'est bon chef de gang, qu'est-ce qu'on a dans eux? C'est ce que je veux dire. Gardez une dimension plus à passer. Et là, les gens viennent comprendre que, est-ce que informateur Jovenel n'a pas dans dimension ça? Mais est-ce que ça PM n'a dit en tout ces vérités? Il faut questionner ça autour. Elle dit, est-ce que c'est vérité ou pas? Mais là, il faut garder ça bien. Est-ce que PM n'a cherché à Libye, a cherché des faux prétextes? Nous ne connaissons pas, il connaît. D'ailleurs, PM n'a pas qu'à niveau ça pour chercher des menti. Mais nous pas qu'à ignorer le tout, parce que nous disons ça. Là, moi, Jovenel Moïse, quelque chose qu'on tire mon patrimoine Jovenel, ou déjà qu'on comprenne que Jovenel était pour un complot qui soit des entourages. D'abord, c'est de l'entourage d'abord que complot a commencé. Et peut-être, par contre, qui est-ce qui est dans l'entourage de l'acte libre Jovenel? Mais complot assassinat Jovenel dans tout, li fait de l'entourage Jovenel avec des gens qui dehors. Je dis, hein, si ça PM n'a dit, en tant qu'on parle de vérité là-dedans, ben c'est là, faut que nous regardions et questionnions et analysions. Est-ce que c'est une bataille politique PM n'a fait là, ou bien est-ce que son bagage juste pour être capable de créer de l'autre bagage? En avance avec PM Gayekouni. Excessivement fragile. Demander des hommes d'État. Demander des hommes responsables. Demander des hommes tout cap tenu tête imputable bay au marché le pas marché. Demander que l'on discute l'on conseil restreint ou pas sauter dans la rue et puis tout ça discuter à sortir. Et c'est ça nous fait. Donc nous avons retenu trois bagailles. Moun qui pose des questions. Hein? Dormez en paix. Pendant que nous avons pas de nerf sous territoire haïtien. Deux, soyez convaincus. Que tout ça qu'a fait, toute ressource qui gagne, quel que soit côté lié, nous pouvons le chercher. Parce que nous n'avons pas perdre du territoire encore et nous avons besoin de retourner dans la caillou. Toi, oui, il y a des bagailles qui nous ont dit, il y a des bagailles qui nous ont dit. La situation est trop sérieuse pour nous laguer information qui est capable de préjudiciable à policiers qui ont besoin 100 euros pour nous. Je vais venir pour m'écouter. Je vais venir essayer, dans la mesure du possible, répondre à une question que nous avons. Donc, pas plus long que ça. Désocus, je te remets le micro. Vas-y. Et il y a une question vivement précaire. Et tous les jours, il y a posé la même question. À cause de la situation, ça a mangé pas qu'à sauter dans la province pour venir Port-au-Prince. Ça fait prix manger pire.
moun ki malade pa ka joindre soin, mal l'hôpital général qui c'est centre de référence pays, l'hôpital là pas fonctionnel. M pa ka di nou combien fois dans journée, moi rencontre un haïtien haïtienne qui dit premier ministre qui leur va l'ouvrir route sud là, qui leur va l'ouvrir route nord, qui leur n'a pas retourner la caille nous, qui leur situation à pas, qui leur n'a pas de. Et me senti moins vive peine et angoisse mon zayo tous les jours. Bon l'autre bail tout que me vive tous les jours. C'est peine et angoisse famille policier qui prend balle et qui mourit pendant y a essayé protéger reste société. Donc pour moi pas besoin de dire que son situation qui est extrêmement urgente et qui est extrêmement importante et qui demande implication tout le monde. L'homme vient me faire évaluation en question sécurité, m'a demandé 2 minutes pour sous ça. L'homme fait évaluation en question sécurité, il n'a pas bien nous ouais. C'est que nous pas gagner assez bras. Nous pas gagner assez bras. Le gars des police noirs, nous ouais nous gagne à peu près soit monsieur là, il a dit nous ça. Haïti gagne à peu près 70 police pour chaque 100 000 habitants. Donc sous prend Salvador, Cap Goumé avec même crise là, il gagne 300 police pour chaque 100 000 habitants. Sous prend Salvador il y a la moitié population, il y a 4200 militaires qui fait partie de force Cap Goumen contre Bandi. Si n'a suivi nouvelle semaine passée à là, gain brigand Salvador pour intervenir sous brigand, il y a 500 policiers mais il portait 2500 militaires. Colombie gain 600 police pour chaque 100 000 habitants. Moi même en Haïti m'a Goumen avec 80 police qui vraiment baille nan mieux pour protéger nous. Donc premier problème moi c'est que me baille un bras. Mais Haïti te gen l'armée. Chaque plus jeune yo gen doit pas songer ça mais nous gen l'armée. Nous te gen l'armée pour aider nous protéger tête. Nous te gen l'armée pour te marcher main dans la main avec la police. Nous te gen l'armée de l'air. Nous te gen la gen aéroport. Nous te gen l'armée qui te protéger de l'eau, nous te gen caserne qui te protéger frontière. L'un vini nous joindre que support indispensable ça pas là pas existé. On ka di nous que dans tout pays dans zone qui gen type de crise de gang ça yo. Le yo décrété état d'urgence, c'est parce que yo vle renforcer police avec capacité ça que l'armée ba nous. Donc yon nan urgence pour nous retrouver sécurité, c'est pour un nous renforcer effectif l'armée. Et même là encore, parce que ça n'y a pas de nous là, son bagage est les guérillas urbains. Côté que nous sommes encastrés dans des quartiers, son position défensive, dans tous les pays du monde, n'a besoin de retourner en merde. Donc, qui ça nous fait depuis m'entrer? Depuis m'entrer, je courir à la communauté internationale, je bâti mal pour me dire que ni qualité, ni quantité aide à bon, pas bon, pas suffisant, pas résoudre le problème. Je besoin d'hélicoptère, je besoin de bon drone. Je n'ai équipement que besoin qu'on refuse ben moi parce qu'on dit c'est l'armée seulement qui a baili. Je n'ai équipement sophistiqué d'intelligence que besoin sous tes la police là li t'a bon résultat mais là. Me dit comme ça que j'en approcher assistance en général, li pas permettre moi saute en crise là là. Nous t'ai fait mon promesse que m'tab gagne 2500 moun en septembre. Septembre rivé m'gagne 400 seulement côte reste là. Nous t'ai dit nous t'a aidé me reconstruire en même reconstruire police moi engager moun côte support. Donc première priorité pour moi, c'était parti pour mal dire ami que pour monsieur t'ai fait nous dans cadre d'urgence temps pas kembel. M'voyé ministre affaires étrangères là descendre Brésil. M'voyé le monter en Belgique, moi monter aux États-Unis, m'rel les amis dans San Salvador, m'parler à monde qui au Mexique, mobiliser tout monde moi connaît l'international là pour me dire que promesse d'appui ça urgent pour Haïti. Pour me dire que petit monde Haïti pas moins méritant que ti moun ki Ukraine. Ti moun en Haïti kap soufri, fam en Haïti ap fè kadejak sou yo, fami kite la kay yo, yo pa mwen méritant que fami azami ki nan gas. Et que nou mérite même attention, nou mérite même effort, nou mérite même engagement. Évidemment, yo dou que bon, Haïti a ap aidé depuis longtemps, yo pa jan mwen progrès, yo gen 10 000 raisons que yo ba ou. Mais dans la vérité, communauté internationale la douane solidarité ça pays qui baille Jean-Jacques Dessalines Toussaint Louverture pays qui baille le monde l'indépendance jodi a nous gen droit à solidarité ça mais premier élément pour résoudre problème
Deuxième bagage nous essayons de faire, c'est que nous avons un problème d'équipement, faut nous résoudre rapidement. Monsieur la police vraiment a coumé à zong. Après ce qu'il y a fond. Aïe dit là, désir, on met avancé et puis pour approche pour là, après ça, on est capable d'aller dans l'arrière, on en dit tant bien, pour nous venir avec. On l'a dit, c'est KSPM, non, sous question, et le côté demandé pour évoquer, toi, Nexayo. Blaise, si vous avez tant de déconné, ou après son aigle qui parle pièce frustration, c'est pas on aigle qui a essayé d'inventer des paroles pendant les 20 minutes. La parole à toute sa foile, toute sa foile. La parole avec toute sa foile. Ou senti ces vérités qui a tombé, sont ensemble des marches qu'il fait. Et c'est pas Gary Koni qui fait qu'abdi ça. Nous, tout le temps, abdi ça là. Ce question matérielle que la communauté internationale dit à bay en support avec la police pour résoudre la crise insécuritaire qui vient là, qui c'est grande criminalité et guérilla humaine. Côté monde pas suspend, perdit la vie. Femme activiste pas suspend, violée. Monde a couru quitter l'espace. Nous, tout le temps, ap questionner la communauté internationale là, qui concentre yo sous Gaza, qui concentre yo sous Ukraine avec la Russie, qui ça fait même concentration ça pas gagner sous Haïti. Ou comme ça qui surprenant, c'est le map tende koni qui dit que communauté internationale a souvent avancé, y a aidé Haïti longtemps. Yo pas ouais qui avance qui fait. Mais qu'on y a qui font aide que au bay Haïti. Ensemble monde qui tout temps a demandé yo qui ça que yo habitué demander, qui ça yo habitué prendre. Parce que je dis hein, sous que problème insécurité ou que problème chômage, c'est manger que vous allez demander. La difficile, oui. Pour paysan mien qui aide à manger. Parce que le film manger, il va y avoir l'autre côté de l'eau. C'est matière. Il va y avoir l'autre côté de l'eau. La difficile pour vous, résultat. Moi, je me sens toujours senti gêné en tant qu'haïtien. Le matin des autorités qui ont dit, vous allez rencontrer le président tel pays, vous allez rencontrer le gouvernement tel pays, vous demandez manger. Pendant une situation qui, pendant que vous allez manger avec vous, vous allez demander manger. Moi, je pense que, non, il faut que nous arrivions là. Faut que nous clair. Pour nous exiger, communauté internationale là, qui dit que ces amis qui ont collaboré avec nous, c'est pas cadeau qui a fait nous cadeau, mais c'est réciprocité. C'est un signe de réciprocité. Il y a tourné bon nous. Ça que nous te baillons, notre bataille pour l'indépendance, pour liberté universelle, mondiale, que Jean-Jacques Dessalines, les héros de Goumé, pour te permettre que nous te gagnions ça. Nous pas de gagner des héros, mais c'était des héros que nous gagnons. Qui te bataille avec sang, yo, avec nom. Yo. Mais Blaise, les cruel. Les attendez. Quantité de policiers que vous avez gagné, qui pour sécuriser un nombre de personnes, un nombre de populations, les inférieurs, les graves en pile, les opérations planifiées dans toute discrétion. Entre la force de l'ordre du pays et pour tendre, il y a beaucoup même dérapé, bandité que tu connais, tes grandes opérations que tu as pas mené contre eux. Ça veut dire question gang qui est dans le pays à là, ni souché. Moi-même, vite l'homme innocent de deal et plusieurs autres chefs gang deal, ils ont dans la primature, ils ont dans la direction générale, ils ont dans le palais national. Et le clair, si ouais, il y a une qui sécurité rapproché, Nando, premier ministre de Kagaï Koni. Soit un proche quelconque, c'est Jean Lizil là. Il a une relation avec gang. Il parle avec deux trois fois par jour. Il veut dire, ça veut dire. Yo, si vous arrêtez un policier, Katim, qui pratiquement affecté à la sécurité présidentielle, avec une quantité de cartouches que le bandit a opéré, une quantité d'argent, tel que vous avez deux machines qui ont alerte de surveillance bandit sous lui, les personnes, moi-même, garantis que le problème n'a dépassé. Qui s'est empêché? Communauté internationale là? A dit que il y a pas qu'à bail une série de matériels tant que drone et d'identification drone balistique drone tactique qui cap permettre que policiers entrent dans espace sans pas de pénétration pied à terre ou bien pied sol tant que j'ai dit là qui cap rendre que yo améliorer territoire pour capable rentrer pour récupérer espace qui ça fait communauté internationale là toujours refusé et regarde connu clair il était tout temps dit négo ça y a bail là comme support comme aide. Il n'y a pas qu'à répondre avec besoin qu'il gagne, il n'y a pas qu'à résoudre le problème. Ben, je dis, même quoi que M. Damio qui n'a pas pété, il a gagné même directif ou bien pour te discours ça, pour exiger la communauté internationale à résoudre le problème, non, si vous même avez volonté pour résoudre le problème insécurité qui peut être tout le travail dans le pays à la situation. Désolé, la soirée, la carte, attention, c'est que PM, clairement dit, la salle dit là,
que les que communauté internationale d'asile bouquée avec haïtien date la Haïti et pas manquer un changement. Et ce qui soit bali ce qui soit bali comme aide là d'ailleurs gon proverbe haïtien qui dit au lieu que chaque jour porter poisson bay moun là préfère que ou monter le comment pour le capable prêcher poisson. Qui le international là t'es chasse ça c'est plus confortable les que non mais grain poisson et ceci dit y a pas jamais nous bon grain poisson yo parce que c'était pourri ou avec quoi avec ministre ça fait 13 ans dans pays et puis ça ministre et ça qui était ba nous en pour pas un bon système de sécurité qui était tout prend en place ni la police et pour te tout remettre la main à camper et sinon après 13 ans ministre mes amis. Nous pas doué tout ni dans bagage ça même plus mal que j'ai été en 2004. C'est vrai n'a d'accord tout. Lycée responsabilité tout modèle de dirigeant qui t'est passé au tout. On dit bagage là tout. Lycée responsabilité modèle de dirigeant qui passé au tout. Et yo même yo pas chez moi Haïti. Yo ouais, on ensemble de petits projets qui permettent que yo fait l'argent yo. Mais va jamais un projet durable. Je regardez bien. Au lieu que nèg t'a dit y a investi dans politique agricole, remettre campé et secteur agricole la coopérative agricole, ou après nèg a préféré a chercher signer contrat avec Taiwan la Chine pour voir combien bateau dit en Haïti parce que avec que ce bateau dit rien, y a fait y a fait et comment? Y a fait pour cet âge sous lui. Jusqu'à ce que pote dit qui plein qui allait bouer avec rat un blazer la Tibonite. Pour montrer nous exactement que réalité, hein, c'est qui ça nous demande et c'est qui est ça nous demande tout. Gombaga yore me dit, il n'y a pas le go français. Il est international, il est toujours traité Haïti en parent pauvre avec go français. Mais il est toujours traité nous comme cocorate. Parce que les gens qui passent dans tes pères, c'est des cocorates. Et les Allemands de tout, ils ont comporté en cocorate, tout les demandé. Parce que nous toujours apporter bol blé nous bayo. Et normal, nous toujours apporter cuit nous bayo. Donc si nous, si, c'est Jo Campe, qu'on s'en garde en bas. Jo Campe, qu'on s'en garde en bas. Et bien c'est de m'engue l'armée. Après, nous sommes de l'appui. Donc je veux dire, m'leken comprenne. M'leken gade, réalité à gen là. C'est modèle moun nous comme dirigeant yo. Et puis, c'est qu'on s'en garde nous. Ou pas, ça qui a passé là, Bignon a produit rapport, UNICEF a produit rapport, CECI a produit rapport, parce que la crise Haïti a fait capital. Et monsieur, je me dis ça, soit de 92 ou de 93, à Jodian, Haïti connaît plus que une dizaine de missions. Et qui ça a mis ça comme résultat? En tout cas, désir, moi, je viens à la cour de la demain, mais avant, pour petit cal dans le PM, qui parlait, qui m'a dit, pour ne pas bon, vas-y, casse capital, mais vous êtes annexé à Wally. Vous posez ou bien souligner deux points ici-là pour vous dans deux grandes questions. Ça y est. Merci beaucoup. Bon, histoire de Goumen avec CPT. C'est vrai que depuis à peu près 3 semaines, nous avons des difficultés pour nous faire un conseil des ministres. C'est vrai que depuis 3 semaines, nous avons que bon poussé pour que nous avons des différents qui semblaient que nous pouvons réconcilier. Par contre, il faut dire tout que. C'est pas toujours comme ça. Hein? Le nous fait criver, j'aime te dire tout à l'heure, une semaine nous mettons gouvernement, en quelques semaines nous mettons sous pied et nous font révision budgétaire, nous arriver l'ouvrir à temps pour nous gagner un budget 2024 là, nous travaillons ensemble pour nous et construire gouvernement, nous développer feuille de route ensemble sur laquelle nous mettons d'accord. Et CEP sorti, nous et comité pour réforme constitutionnelle sorti. C'est vrai que 4 premiers mois, la collaboration était excessivement aisée et le gouvernement fait progrès. C'est vrai que depuis 3 semaines, tout, les plus difficiles, et nous avons une équipe bagaille que nous avons réalisé. Et certainement, je voulais dire que je crois que son période d'apprentissage et dans les prochains jours, certainement, je suis confiant que ça va certainement aller mieux. Semaine qui s'est passée là, je me dis ça, nous avons fait vraiment, toute semaine, nous avons fait rencontre avec le secteur. Avec le secteur qui est impliqué dans les transitions, qui était bail représentant CPT, nous faisons un bon temps avec l'autre secteur société civile là, pour nous comprendre et pour nous comment recentrer les relations sous la base de l'esprit d'un accord qui est un accord historique.
Mais nous songer ça. C'est la première fois qu'un groupe parti politique qui en général était toujours là en entendre non seulement son conseil présidentiel, mais arriver à entendre son premier ministre qui pas de partisan et arriver supporter un gouvernement. Et ça m'a dit nous je dis bon temps m'a réfléchi sur ça après rencontre moins faible. Moi pense que si nous ca recentrer relation autour d'un certain point, nous gain de bonnes chances pour Yingang en fini. Premier bail là définitivement il faut que le conseil présidentiel a publié accord 3 avril. Accord 3 avril là c'est non transition. Deuxième bail là, il faut que le conseil présidentiel là ramener secteur dans le dialogue là. Troisième bail là c'est que me pour demander CPT, il faut que le publier au CAG là. Au CAG là c'est structure qui fait suivi qui garder travail gouvernement avec travail président et qui assurer transparence, assurer performance. Au CAG là son structure. Tel là encore 3 avril là, nous pour demander conseil présidentiel là pour le publier. Quatrième bail là n'a demandé conseil présidentiel pour l'accélérer mise en place et c'est Conseil national de sécurité. Conseil ça va permettre une plus grande participation dans la question sécurité et nous avons plus grande visibilité et plus d'opinion dans jeune gérer sécurité. Cinquième bail qui est important, n'a pas demandé conseil présidentiel là encore pour l'avancer rapidement sous nomination directeur général. N'a pas demandé pour l'avancer rapidement. Nous dit ce n'est pas le cas de commune Kinskoff, mais dans la réalité, nous avons presque 48% de communes qui ont dysfonctionnement dans la mairie. Nous avons des mairies qui ne peuvent pas quand même dépenser l'argent parce que les gens ne peuvent pas. Nous avons demandé encore, nous avons proposé aux gens pour faire ça. C'est eux choisi, nous avons dit encore, avancer sur la commune, côté pas de délégué, pas de vice-délégué. Nous avons demandé pour avancer sur le choix. Ça permet de nous retrouver en harmonie. Mais très important, et ça m'a dit nous, l'on met des oreilles à terre, l'entend des leaders politiques, l'entend des secteurs, l'entend des mouns qui suivent la situation politique là de près, l'entend des mouns qui perdent confiance dans l'État, nous demandons CPTA pour le trancher une fois pour toutes, sous cas, trois membres CPT qui inculpés dans le cadre article 2 décret. C'est responsabilité CPTA pour le dire un mot sous ça. Parce que la population vle ou est clair, vle qu'on commence CPTA. Donc moi-même, mais ça m'entendait. Et je crois que si avec CPTA, nous arrivons à recentrer la conversation, nous avons retrouvé l'harmonie qui te permet de nous faire ça nous fait durant ces 5 derniers mois. Mais plus important, monsieur la police, pour les policiers, je demande pour vous faire vite. Avec fonds spécial sécuritaire. L'armée à la police là, pas qu'à attendre. Il y a besoin des moyens pour continuer à mener le combat ça. Donc, mes discussions nous pourrons le faire. Une pensée que nos discussions transparentes, ouvertes, dans l'intérêt du pays, n'a pas avancé sur ça. Bon, on nous vient avec le Nader parce que bye pour nous parler, oui là. Bye pour nous parler parce que nous avons une émission là, nous allons le faire très bientôt encore. Mais là, on vient avec le Nader parce que PM dans clair. PM dans clair, désir. Monsieur Claire. Avec les KPTO, je suis clair avec les gens, demandé les gens, et bon, c'est toute société, il faut me dire bien, c'est toute société qui a demandé KPTO pour gérer le dossier, et toi conseiller ça, mais c'est bon, nous savons honnêtement, moi, j'ai des partisans, les KPTO, la cap bagaille, mais monsieur, en nous sérieux, il n'y a pas dit non, monsieur, pour toi, les gens ont cité, dans ce scandale corruption, les gens comme si sont fiers de lui pour eux. Et Claude Nader, ou avec nous, là, puisque nous connaissons que, ou t'es déjà partagé avec nous que, et zone Fonds National, zone Solino, semblait, et en n'est pas changé, et on continue à prendre de frappe en bas, mais les bandits vivent ensemble, pendant que m'a songé que, alors, m'a regardé à travers une vidéo, que Barbecue t'a dit que, et ça qui a passé Solino, là, c'est juste un petit avant-goût, et on peut commencer Solino, Claude Nader. Bon lundi, bonne semaine, Blaise Peterson, Desi Venesse, à toutes les amis internautes qui sont toujours attachés avec l'émission ça. Mais Jean Dill et Solino, Delma 24, Fonds National lui-même, qu'on est attaque, surtout pendant le journée là, en pile d'âmes, à tirer dans le périmètre Fonds National, avenir pour plat, toute zone taille. Il y a un pile cartouche, mais qui a tiré pour journée là. Mais faut que nous disons, pendant le week-end, et hier, et Blaise, et a gagné environ une dizaine de cailles, ben, monsieur Vivant Samuel même, mettait d'ifé là-dedans, et dans la zone Fonds National, ben, les FAI, ça, eux-mêmes, ils ont continué
a passé des agréments dans le périmètre. Il y a nous dans la zone fond national ailleurs, ben plusieurs tailles, yo même yo piqué différents yo, mais ça qui vient rendre que gagne plusieurs monde yo même qui continue à pourrir quitter la caillou. Si avant c'était zone Delma 24, zone Solino, zone Anglade, zone derrière Gaguet, et ben monsieur même yo mettez capte kounya là, ben sous zone fond national. Fond national où on est là, et ben gagne base Boyd là qui est dans zone fond national. Eh bien, monsieur, même, yo viré projecteur là, sous zone fort national, pendant journée la Fok Noudou, il y a un pile détonation qui a fait dans le périmètre là, et moun qui juste dans zone champ de masse Blaise, zone Balalu, et yo attendé forte détonation qui a fait dans zone fort national. Yo attendé forte détonation, et sa touche qui fait dans zone fort national, eh bien, moun qui gen zan nan men yo dans le périmètre champ de masse, mais qui répond tout, qui réplique. Non, mais est-ce que c'est des citoyens de civil, mais est-ce que c'est la police, parce que je connais, et chez Massagé, base monsieur les militaires qui sont dans tout 2004, il y a base monsieur Idmo qui est dans zone bord et dans tout ministère conditions femmes, et il y a un commissaire à Port-au-Prince qui est bas. Est-ce que c'est des policiers, des militaires qui ripostent et répondent, ou bien des citoyens comme ça? Et c'est force de l'ordre qui ripostent, parce okay. qu'on est un fort national lui-même, il n'est pas trop loin, il n'est pas trop loin. Et périmètre champ de masse, c'est pas trop loin, et Front National lui-même, c'est presque sous et son monde nié. Ben, monsieur, même, monsieur FADH, même, qui dans tout 2004, lui-même, il a répliqué. Et ben, il y a plusieurs autres blindés tout, qui a fait virer en zone champ de masse là tout, ben, qui est censé répliquer suite avec une forte détonation qui a fait dans zone Front National. Front National, faut que nous disions encore une fois, ben, Bass Boy là lui-même, lui dans zone ta. Et en pile monde depuis hier a pourri quitter Front National qui a pris la France ben souffre en bas monde qui est dans zone avenue Poupla même là ben moun yo même yo pas carité dans périmètre avenue Poupla Blaise yo couri à quitter espace là mais c'est toujours ZFIS vivant sans yo yo même qui continue à passer la terre si n'a tourné et ben Blaise pendant fin semaine là ben te gagne un ouf de soulagement qui te gagne dans zone solide de 24, tu es capable de remarquer pendant quelques vidéos, ben moun yo ben yo te content, yo t'a pas célébré, ben la police même li te prend plusieurs zones, plusieurs espaces nan men ben zefay sa ou même qui te gagne tabli quartier général dans zone solide de 24, ben ça li même tout li pas empêché, entre pendant weekend là entre hier avec jodia, ben pour monsieur Bandi sa ou même yo retourner dans zone ça, surtout dans zone fort national pour stimer des agréments, pour faire mon courir quitter la caillou, pour tirer en pile cartouche, je nous dis à la fin de la journée, en pile SOS à lancer dans la zone ça. Mais Blaise, faut que nous dit tout dans la zone Simon Pelé, dans la zone cité militaire, pour le moment ça même. Ma parle ensemble avec vous là, il y a un pile détonation qui a fait dans la zone Simon Pelé, dans la zone Village Solidarité, sous piste là, parce que la zone ça même, il n'y a pas trop loin, mais il y a un pile détonation qui a fait dans le périmètre ça, entre Front National, zone Delma 24, zone Solino, et nous n'avons pas ajouté tout, nous n'avons pas ajouté cité militaire, nous n'avons pas ajouté et Village Solidarité, et zone sous piste là, il y a un pile tiré qui a fait dans zone Sao Blesse-Pitesson. Et ça veut dire là, Jean nous dit, c'est vrai que zone entre Village Solidarité, zone cité militaire, Simon Pelé, zone piste là, en pile situation panique dans zone ça, mais qui va différent de zone Belé, Fond National. Mais Kounia, en nous regardant nous en termes de disposition qui prend, et surtout dans le niveau Fond National Belé, est-ce que, puisque nous avons et pendant ce jour là, la police a fait changement dans le niveau DDO et l'OS1, côté que il y a un nouveau responsable DDO et l'OS1, et en plus, nous avons senti que, et ça va l'espoir avec arriver. Et nouveau responsable de l'OS1, et qui a des mesures qui t'a pas annoncé qui apprend pour gérer la situation et Fond National Bel Air, non? Et l'autre côté, ça retourne dans l'OS1 surtout. Et comment ça y est en termes de disposition de la police sécuritaire par rapport avec so- et zone où a décrit la yo et cap connaît des moments difficiles? Et ça qui est pour avec la présence policière Blaise Peterson, nous sommes capables de toujours signaler et remarquer. Et gagner plusieurs blindés nous remarquer qui a pas fait virer on lundi qui a fait virer on mais nous garder sous route de l'aéroport Blaise gagner et des blindés et nous remarquer yo même qui répond présent qui a fait aller venir qui a fait aller venir que ce soit rentré dans zone piste là oui gagner blindé qui a rentré dans zone piste là malgré gagner forte détonation qui a fait mais et gagner blindé qui a fait entrer sous tiers et blindé noir yo
nous-mêmes qui a fait aller venir parce qu'on est en base qui n'est pas trop loin. Et puis là, qui n'est pas trop loin, zone militaire, on a parlé de base Simoa qui là, dans la zone Delma 2. Eh bien, il y a un blindé qui toujours a fait vivre. Là, nous, on regarde tout. Dans le périmètre centre-ville, même si centre-ville n'a pas dérapé depuis le niveau Carrefour ou pas, pour nous garder comment ça lui même lié dans la question de présence de la police. Et il y a des blindés qui a fait virer autour, nous remarquons qu'il a monté Mon Safari pour prendre direction centre-ville, pour prendre direction Mon Nazon, pour prendre direction Mon Safari. Et des blindés noirs eux-mêmes qui a fait zone ça. Mais nous pas remarqué et des patrouilles, même des patrouilles, ça veut dire Zorikin qui connaît bien monsieur policier administratif là-dedans, nous pas remarqué présence patrouille ça, c'est surtout et des blindés que nous-même nous remarqué qui a pas fait virer ou c'est vrai et il y a plusieurs zones mais il y a des détonations qui a fait et comme ça tout nous capable dit nous remarqué et présence force de l'ordre, mais c'est surtout dans blindé ben monsieur même il a fait virer ou que ce soit sur route de l'aéroport, que ce soit pour prendre direction monter dans zone monter safari prendre direction et champ de masse, et dans mi-temps champ de masse là tout après ouais les présences dans plusieurs blindés surtout et blindés modèle M rapio et ben yo plus stable quartier général yo et dans zone champ de masse et dans grand quartier général et force armée d'Haïti qui dans tout 2004 là et ben surtout ouais plus présence et force de l'ordre dans périmètre ça parce que on est fort national belle pas trop loin et champ de masse on glisser descendre et ben monsieur même yo gars quoi sous champ de masse et ben dans espace ça et ben il y a plus présence force de l'ordre pour sécuriser et espace palais national et l'autre ministère qui vient sous champ de masse ben c'est Désir en avance non on regarde entrer dans pays avec le Nel Antoine et puis l'autre point que nous avons gardé ensemble avec lui et peut-être même dossier ça autour qu'a toujours regardé avec lui on a les désirs. Très bien, Claude Nader, ou toujours garder pour nous route nationale numéro 1, rentrer dans la capitale pays, ou toujours garder route nationale numéro 3 pour nous, qui genre activité oye, ça qui vient pour avec activité commerciale, activité éducative, l'école, est-ce que y a... Et comment ça y est, est-ce qu'il a fonctionné normalement, Claude Nader Antoine? Je vais déraper dans le niveau route nationale numéro 1, l'aime dit route nationale numéro 1, je vais parler de... et surtout zone Karan, zone Akaye, Cabaret, Titanien. Ben route nationale numéro 1 des Iblez, ben toujours pour qu'on gagne ben trois grandes activités. Là me dit surtout pour qu'on gagne trois grandes activités. Là nous avons gardé dans zone Akaye, et ben zone d'ali même li toujours resté bloqué et si va pas sortir et dans zone nous capable dit dans zone département la Tibonite et ben des pouvoirs privés dans zone l'évêque et ben dans zone ça et ben route là lui-même li bloqué dans zone l'évêque dans zone Bercy route là lui-même li bloqué mais si toutefois ou même tout qui était dans mi-temps à Kayer ou ta remet rentrer dans Port-au-Prince et ben dans zone Williamson encore une fois et ben route là lui-même li bloqué ça veut dire route nationale mais li bloqué de côté et dans zone Williamson si va rentrer dans zone à Kayer et si toutefois ou saute dans département et la Tibonite pays et ben dans zone l'évêque et ben là pour joindre l'autre blocage qui a obstrué ben circulation sur route nationale là, numéro 1 mais ça tout ni pas laissé sa conséquence dans zone Akayen mais continuer gagner en pile monde qui continue à quitter commune Akayen qui a pris direction capable dire en Sagalet qui a pris direction et la Ronave qui a quitté commune Akayen suite avec eh ben attaque bandi mais faut que nous joue bandi même blesse yo toujours eh ben rester eh ben dans périmètre yo toujours rester dans zone d'armes mais ça qui la cause eh ben bandi et moun population civile là les mêmes qui a vivre dans zone Akaye eh ben même yo continuer à pas quitter eh ben zone Akaye prend bateau prend canot pour capable prendre direction Lagounave prendre direction Ansagalet et pour capable ben sauver en bas eh ben assaut bandi ça on va pas avancer pour nous garder comment ça les mêmes lié dans zone cabaret c'est surtout quelques chauffeurs moto qui prend direction ça mais ils ont toujours arrivé dans zone Titanien et avec madame Sarah là ils ont acheté plusieurs produits pour capable rentrer vendre dans le marché et qui gagne dans Port-au-Prince dans niveau route nationale numéro 3 et ben là les mêmes activités même ils ont fait sans problème sans difficulté machine qui a rentré dans département centre pays qui a rentré dans département grand nord pays qui a rentré dans département nord-ouest qui a pris plusieurs autres directions et ben c'est surtout sur route nationale numéro 3
ben tout chauffeur bus ça eux même et chauffeur conteur yo ben yo faufilé sur route nationale numéro 3 passer dans zone bon repos passer dans zone on a ville Jérusalem là pour que font petit camper pour respecter conditions yo pour appliquer principe yo bon côté ti monsieur ça yo qui toujours dans périmètre et suivre chemin yo passer en bas monde cabrit aller ben la direction habituelle yo comment ça lui même lui représenter tout dans zone bon repos et ben toute activité au même yo bouger sans problème de très tôt activité commerciale activité transport activité scolaire et ben dans zone bon repos route nationale numéro 1 zone on capable dire bas bon repos zone Lison Latan zone Carrefour Marin Carrefour Chada et quoi des missions tout espace ça yo pour matin là activité au même yo bouger sans problème et jusqu'à moment on a parlé là toute bagaille en forme ça fait gain élève l'école qui a pas retourné la caillou. Et pour le moment, nous avons parlé là. Dans le niveau Carrefour Route 9, toujours dans le pays, Carrefour Route 9, l'activité a bougé tout sans problème. Plusieurs machines ont déjà déposé marchandises dans le niveau Carrefour Route 9. Plusieurs chauffeurs moto ont répondu présent tout dans le niveau Carrefour Route 9. Sans compter machine qui a passé pour prendre direction route nationale numéro 3 pour aller dans plusieurs départements qui sont dans la zone Tayo, ben nous sommes capables de dire route 9 là tout, zone Merger, les Bourg, village La Renaissance, Carrefour Renaissance, Carrefour Fouji, Carrefour du Vivier, nous capables de dire toute bagaille censée à pas bouger sans problème, toute bagaille à fait, surtout activité de transport, activité commerciale, nous capables de dire dans Carrefour Tayo, toute bagaille ok, toute bagaille à fait sans problème, mais c'est surtout dans le niveau Carrefour du Vivier, toute mes machines qui a passé. Yo toujours qu'on est faut que respecter conditions yo nous entrer sous zone terre noire rapide zone barrière fait zone médecin sans frontières nous garder comment ça les même lié capable de toute bagaille en forme mais avant tout dans niveau Carrefour du Rivier tout machine qui a prend direction commune Cité Soleil qui a prend dans zone projet Louis Abra 9 lento 1 lento 2 Tizilé toute activité ça au même dans niveau Carrefour du Rivier trois jeunes machines pour capable faire espace ça yo et zone Carrefour Vincent capable de toute nationale numéro 1 eh ben activité au même tout yo a fait sans problème même que c'est en route qui toujours dans mauvais état malgré tout chauffeur au même yo fait activité de transport surtout chauffeur camionnette qui a pris direction bon repos qui a pris direction Caso quoi des missions yo fait tout espace ça yo sans problème dans un moment nous t'a passé dans niveau Kafoudouya on capable dire nous pote courir marqué et présence blindé mais l'un t'a pointé dans en direction 3 mais et ben t'a remarqué lui même qui t'a descendre dans niveau et Kafoudouya mais nous même nous t'a pas monté dans niveau et zone 3 mais pour nous t'a regarder comment ça lui même lié dans niveau 3 mais présence dans la police t'a remarqué plusieurs policiers administratifs yo même yo mobilisé dans niveau 3 mais plusieurs marchands tout yo là dans niveau 3 mais attend pas qu'un industriel sur dans pierre lui même terminé pour capable dégager yo et nous capable dit tout nous remarquer dans niveau 3 mais c'est yon en 3 mais activité et commercial là avec activité de transport lui même il a fait sans problème nous avons à pied rapide blaise sous zone Maïgaté pour nous rentrer et dans n'importe là tout dans n'importe là parce que pendant week-end là gagné et blindé encore qui vivait dans n'importe là pendant week-end on capable dit et en deux temps en deux jours gagné 10 blindés qui vivaient ben dans n'importe là c'est même blindé ou changer me des blaise et blindé couleur vert olivio et ben c'est eux même qui vivait encore dans n'importe là pendant ben juste ça pendant week-end là gagné environ 10 qui vivait pendant deux jours 5 vivait yon s'inscrivait dans l'autre jour encore mais blindé continuer à rentrer ben dans la capitale Port-au-Prince c'est jusqu'à moment on a parlé la belle personne et c'est blindé qui continuer à rentrer dans n'importe qui gagne et dans Port-au-Prince nous avons retiré quoi dans n'importe la rapide pour nous retourner sur route de l'aéroport pour nous garder comment ça lui même lié et faut que nous tout dans matin bonheur nous t'a pas passé sur route de l'aéroport c'était une route de l'aéroport activité au même yo t'a fait tout sans problème yo t'a bougé sans problème il y a plusieurs petits monde qui t'a prend direction et sans classe yo il y a plusieurs petits machin qui t'a prend direction marché yo et plusieurs autres activités qui étaient de transport lui même t'a fait sur route de l'aéroport et pendant mi-temps journée mais et ces moments ça nous on capable dire mais activité au même yo retourner au ralenti sur route de l'aéroport suite avec rentrée tête là et rentrer Simon Pelé avec cité militaire et ben bagaille pas trop bon dans moment n'a parlé là ben ça qui même qui vient diminuer dans activité qui te gagner sur route de l'aéroport mais ça pas empêcher banque commerciale yo même de l'ouvrir et gagne quelques gros business avec business qui ont gens en tout cas Piba Simon Pelé et ben yo l'ouvrir tout gros business sur connect sur deux bon la riable station et ben yo fonctionnel
et banque commerciale yo bureau transfert yo gen moun ki toujours ben sous la cour qui attend yo rentrer en dedans parce yo pour prendre service 5 minutes côté n'a parlé là sur route de l'aéroport rapide nous arrivé dans station qui permet de prendre direction département la Tibonite pays là rentrer tête petite là qui en face li ben faut que nous station ça les mêmes activités même yo poko jam capable reprendre yo poko jam capable reprendre suite avec mes communes Akaye avec la commune Cabaret ou même qui a connu des moments difficiles ben chauffeur minibus ça ou même yo obligé camper minibus jusqu'à présent yo pour capable prendre direction ça ou avec monde qui connait gain habitude prendre direction Gonaïve qui prend direction Saint-Marlester qui connait prendre direction et même l'autre commune qui est dans département la Tibonite là ben on petit camper mais c'est quelques graines chauffeur qui tentait charger et ma chauffeur ça au même yo a passé sur route nationale numéro 1 yo pral prendre direction Mibale et pour capable prendre direction c'est Raphaël pour rentrer dans département la Tibonite là c'est un parcours qui vraiment long mais gagne quelques chauffeurs au même qui tenter faire surtout monsieur qui a prendre direction Saint-Michel de la Talayo mais yo tenter faire parcours ça surtout par rapport avec ben route nationale numéro 1 lui-même qui poko capable reprendre et forme physique qu'elle te gagne avant pour machine te qu'on a stipulé sans problème. Rivé rapide au niveau carrefour de l'aéroport pour nous dire comment ça les mêmes lié mais un carrefour aéroport toute activité au même yo ça c'est à bouger et ça bouger et jusqu'à moi on a parlé là yo continue à bouger dans niveau carrefour aéroport plusieurs marchands yo même yo répond présent dans niveau carrefour aéroport sous trottoir sous séparateur sous place là et sans compter gagner plusieurs élèves l'école tout capable dire nous remarquer yo même qui a pas sorti dans salle Prasto que ce soit dans zone et nation qui a descend dans niveau Carrefourport que ce soit sorti dans niveau Rodelma Pétionville qui a descend dans niveau Carrefourport ou du moins s'il y a quelques élèves tout qui a sorti pas trop loin et ben Carrefourport dans zone Badelma qui a monté dans niveau Carrefourport groupe de 5 groupe de 10 et ça qui avec parents yo ou du moins ça qui avec ça qui seul et ben c'est comme ça nous remarquer élèves yo même yo a pas retourné dans niveau Carrefourport capable venir prendre machine ou même sans moto capable retourner la caillou si on ca fort pour dans l'NT rivé et matin ben nous t'ai marqué présence et un pick-up qui t'ai gagné policier administratif là-dedans mais monsieur même nous fait virer et tourner de temps en temps mais pour moment n'a parlé là pas gagné présence policier dans niveau ca fort pour et ça tout qui montre que et ben via lui-même lui plus a fait dans niveau ca fort gagne plus activité qui a fait dans niveau Carrefourport surtout les pas présence policière parce que les messieurs eux-mêmes yo là de temps en temps ils sont déplacés yo courir des chauffeurs camionnette yo du monsieur fait machine yo lever mais les pour pas présence policière ben on a remarqué gain plus activité eux même qui a bougé dans niveau Carrefourport Rodelma Pétionville ben activité eux même yo plus yo plus à fait yo plus à fait dans niveau Rodelma Pétionville et par rapport avec niveau et Badelma niveau Cafou de l'aéroport, mais faut que nous toujours signaler ça, pas jamais gagner machine, pas jamais gagner camionnette, ben au même qui prend direction Badelma, pas jamais gagner machine, pas jamais gagner camionnette, au même qui prend direction Badelma, si ouais on machine absolument dans Badelma, ben ces machines moun à brouter Bataclan, ben la caillou, ces machines ça au même qui toujours fait espace ça yo, pas jamais gagner ben machine transport qui prend direction Badelma, Badelma descend dans zone Delma 2, Delma 4 pour arriver dans zone aviation. Pas jamais bien machine qui fait ben route ça yo les Peterson. Très bien. Là on est pendant toute semaine dans Solino, on t'a connait de frappes importantes et en tant que la police te dit prend contrôle de situation.